Chaque année, au lieu-dit La Moulure, sur le territoire de la chapelle de Vambrulière, se déroule, initié par l'Association du Souvenir des Événements du Maquis de Corcieux, une cérémonie civile en hommage à Paul Georges, et à un jeune compagnon d'infortune, Pierre Paradis. Assistent à cette cérémonie les autorités locales, des officiers de l'armée et de la gendarmerie, nombre de descendants de Paul et la famille de Pierre, ainsi que des habitants du secteur. Paul-Émile Georges, dont on voit sur le panneau l'unique photographie qui soit revenue à sa famille et qui est celle de sa carte d'identité, c'est, se trouvant assis chez le photographe, ne pas avoir à dissimuler sa haine et son mépris d'un occupant ayant emmené en captivité son fils aîné, ainsi que d'autres membres de sa famille et de la collectivité villageoise à laquelle il appartient. Un occupant qui réquisitionne, pille, et se soucie de moins en moins de toute morale. Paul est né dans une ferme isolée des Vosges, en la commune de la Chapelle de Vambrulière, le 10 janvier 1893, à l'époque où la frontière germano-française se situait à quelques kilomètres, l'Allemagne ayant annexé l'Alsace-Lorraine en 1871. Les grands-parents de Paul, du côté paternel comme du côté maternel, ainsi que la famille collatérale, vivent dans le même secteur agricole, entre Moselle et Vologne, les plus distants résidant seulement à 15 km. Par filiation utérine, c'est-à-dire de mère en fille, l'existence successive de 23 femmes est issue, jusqu'à Paul, d'un couple médiéval plutôt glorieux, puisque le mari, Hugues de Martin-Pré, parti de Besançon où il possédait de vastes fiefs, et notamment ceux de Poligny, accompagna Saint-Louis en croisade, en Orient. Le départ a lieu à Aigues-Mortes en 1249, suivi d'un séjour à Chypre dans l'attente de conditions favorables pour un débarquement en Égypte. Hugues de Martin-Pré trouve la mort en 1250, lors d'une bataille sanglante marquant la fin du succès pour le camp chrétien. Le château de Poligny, berceau des Martin-Pré, se dressa longtemps sur l'emplacement d'un temple gallo-romain consacré au dieu Apollon Grineus. Il n'en reste aujourd'hui que des vestiges. Une partie de la famille ayant essaimé près de Gérardmer, à Gerbépale, occupa un autre château définitivement détruit, en novembre 1944, par l'occupant allemand. À la huitième génération des femmes, apparaît Anne de Martin-Pré 1622-1684. C'est son père Henri, qui fit consacrer à la mère de la Vierge, non loin de Gérardmer, peu avant la guerre de 30 ans, une chapelle considérée aujourd'hui comme un petit chef-d'œuvre de la religion rurale du XVIIe siècle naissant. Au lieu d'un château, Paul hérita du sobriquet « Quanus », nom patronymique de sa grand-mère vénérée, donné par dérision à son père Émile Didier, enfant naturel, lequel ne porta le patronyme Georges que 4 ans après sa naissance, par reconnaissance dûment enregistrée au tribunal de Saint-Dié, son père Charles Georges, voiturier à Paris dans le 8e arrondissement, et sa mère Marie-Claire Quanus, cuisinière à Brouvelieure, ayant été éloignée malgré eux, par les aléas de l'histoire humaine, peu de temps avant sa naissance, en 1854. Les parents de Paul ont des conditions de vie précaires, semblables à celles de l'humanité depuis les temps les plus lointains. Le choléra frappe 4 fois en Lorraine entre 1832 et 1866. On sort, depuis 1860 environ, du petit âge glaciaire, qui a rendu longtemps frileuse l'existence humaine. Peu avant que le phylloxéra ne s'attaque aux vignes, la pomme de terre est menacée de disparition, à cause d'une pernicieuse variété de mildiou que l'on ne sait pas traiter, qui provoque une crise agricole, les disettes consécutives emmenant de nombreux Lorrains, pensant trouver l'Eldorado, en Amérique ou en Afrique du Nord. Qui plus est, dans la France du XIXe siècle, la mortalité infantile est redoutablement cruelle, 1 enfant sur 4 meurt avant 5 ans, 1 enfant sur les 3 survivants, perd la vie avant 20 ans. De même, tout adulte a une espérance de vie réduite,
les octogénaires étant rares. Paul a sans doute été bercé et veillé par sa douce et robuste grand-mère Marie-Claire, qui vit à la ferme du Rond-Mézé en compagnie de son fils, de sa belle-fille, de leurs enfants encore en vie, et qui mourra en 1900, à l'âge, avancé en ce temps-là, de 81 ans. L'enfance du petit Paul était une perpétuelle aventure commençant autour de son berceau, se poursuivant dans toutes les pièces de la maison, puis dans la cour, les dépendances de la ferme, auprès de la fontaine sous abri, et sur les chemins des champs et de la forêt. En même temps qu'il apprenait à connaître les gens, il découvrait le monde des bêtes, celle de la ferme, et celle des contrées sauvages. Il faisait connaissance, aussi, avec les saisons, dont la succession contrastée allait peu à peu donner un rythme à son existence. L'essentiel des terres labourables et des champs est proche de la ferme, que jouxte un parc à vaches. Mais il existe aussi un grand nombre de petites parcelles forestières ou herbagères, dont le découpage résulte des successions. Un pré, non loin des Arentés, est depuis longtemps considéré comme magique, car on y aperçoit, par temps clair, le Honnec majestueusement couronné de neige, y compris, certaines années, au plus beau jour de juin. L'aventure prenait de l'ampleur quand on se rendait aux grandes mascarades, à Granges-sur-Vologne et à Bruyères, ainsi qu'aux comices agricoles où l'on pouvait découvrir, pour quelques sous, des phénomènes de foire qui faisaient longtemps rire, tout en donnant à s'étonner d'appartenir à une humanité que l'on croyait plus uniforme. À l'école, les bataillons scolaires existent depuis les années 1880, les instructions officielles visant à favoriser parmi ceux qui formeront l'armée de demain, le goût du plein air et l'accoutumance aux intempéries. Une image d'Épinal fut même créée pour illustrer et célébrer le concept. Des voix s'élevant contre le fait de vouloir faire de chaque enfant un militaire, volonté qui fut pourtant instituée sous Jules Ferry, les bataillons scolaires seront bientôt en déclin. À l'école de Saint-Jacques-d'Ostat, en ces années où le patois reste ancré dans les familles, le programme, comme partout en France, est relativement ambitieux, et la journée scolaire, abrutissante, d'autant plus que les familles comptent toujours sur le travail des enfants. Après la leçon de morale quotidienne, lecture et calcul mental, suivi de l'écriture, de la dictée ou de la rédaction, et des opérations, avant d'aborder les problèmes de volume, de surface, de capacité, de mesure de l'espace et du temps. La géographie impose de bien connaître les cours d'eau, les principales lignes de chemin de fer, les départements ainsi que les préfectures et sous-préfectures de la France. Il faut savoir indiquer, sur le globe terrestre, les principaux états du monde et quelques colonies françaises. L'histoire remonte le temps depuis les Gaulois jusqu'aux trois Louis dont le dernier perd la tête. Les sciences naturelles concernent notamment les principaux systèmes qui animent le corps humain et donnent de nombreux points de vue sur l'hygiène. Un livre de lecture patriotique et au demeurant instructif fascine les écoliers, le Tour de France par deux enfants. Le but ultime de la scolarité, qui se poursuit rarement au-delà de l'école primaire, pour les fils et filles d'agriculteurs, est d'obtenir le certificat d'études, qui fait l'objet d'une concurrence forcenée, tant au sein d'une même école, que dans tout un canton. L'enseignant, issu du monde paysan, est aussi secrétaire de mairie. Il est assez intelligent pour admettre que, dans deux univers intellectuels différents, le curé et lui ont une mission commune, rendre les êtres capables de vivre ensemble, et si possible, harmonieusement. C'est pourquoi, les élèves qui sont aussi enfants de cœur, quittent discrètement la classe, pour aller assister le prêtre lors d'un office de funérailles. Par échange de bons procédés, le curé invite les jeunes ouailles à travailler avec ardeur dans l'école de la République, Dieu les en récompensera. Le catéchisme a lieu dans l'église toute proche de l'école, et par temps froid, on se sert dans la sacristie, où brûle un petit poêle.
Les grands événements de l'Ancien et du Nouveau Testament sont à retenir, ainsi que le nom des protagonistes, Adam et Ève, Caïn et Abel, David, Moïse, Abraham, Isaac, etc. On s'amuse de certains noms, comme celui de Nabucodonosor, Zacharie, Zébédée ou Thaddée, qui sont l'objet de jeux de mots quand le curé est absent, car il est craint. Les offices, chantés en latin, sont suivis sur des missels où l'on a, en face, la traduction française, ce qui procure aux enfants éveillés un aperçu empirique de la langue parlée autour de Jésus, par les occupants de la Judée. Le malheur, pour certains bambins ayant à la fois des difficultés de lecture et de mémorisation, c'est d'avoir à réciter le Pater Noster, l'Ave Maria, le Credo, l'Agnus Dei, etc. Le pire est encore d'apprendre la liste des sept péchés capitaux, ou la définition alambiquée répondant à la question « Qu'est-ce que Dieu ?» Il y a pourtant de beaux moments à l'église de Saint-Jacques d'Osta, ceux où les chants et la lumière des vitraux, alliés à l'encens, donnent l'impression d'être complètement hors du monde, dans la magie religieuse que soulignent les accords de l'harmonium. Souvent, Paul se rend dans la forêt proche, pour ramasser du bois mort, une corvée familiale que partagent, en d'autres endroits de la commune, tous les enfants de sa classe. À d'autres moments, il garde les animaux au champ, apprend à fendre du menu bois, participe à la plantation des pommes de terre en garnissant chaque trou pioché par son père, d'un, voire d'une moitié de tubercule. Les actes les plus répétitifs s'accompagnent à chaque fois d'une expérience nouvelle, dont la somme rend l'être plus sûr de lui et plus soucieux encore de perfection, au point d'exercer sa curiosité dans des domaines de plus en plus variés. Paul connaîtra l'herbe qui ne risque pas d'incommoder les lapins, celle qui soigne tel ou tel problème de peau, celle qui calme le feu d'une brûlure, celle qui arrête un petit saignement. Par ailleurs, ce que la nature offre, parfois à profusion, pour améliorer l'ordinaire, ne doit pas être négligé. Quand on vit dans une campagne reculée, où les habitations éparses n'ont, pour principal voisinage, que la ronde immeuble des saisons. L'enfant comprend peu à peu, vu que l'on possède une maison et du bétail, que l'on n'est pas pauvre comme certains saisonniers vivant avec leur famille dans les granges, ou des bergers et autres marchands ambulants qui couchent dans des roulottes tirées par un âne, ou parfois par eux-mêmes, mais que l'on est loin, aussi, d'être des nantis, car il faut veiller aux dépenses, et s'efforcer toujours de ne gâcher ni nourriture ni vêtements. Le dimanche, des oncles et tantes meuniers, ou charretiers, emmènent quelquefois les enfants de la famille, en char à bœufs, ou par le chemin de fer, admirer les curiosités naturelles de la région, qui sont nombreuses et quelquefois spectaculaires, assister à des parades militaires ou des défilés de carnaval, ou les conduisent au théâtre populaire de Gérardmer, où l'on aperçoit des notables, des députés, des sénateurs. Le prêtre et l'instituteur de ces années-là se trouvant dans une concurrence sévère, à cause de la séparation de l'Église et de l'État, chacun s'efforce d'organiser, au moins une fois par an, un modeste voyage, payé par des dons, des tombolas, des kermesses, permettant aux enfants d'échapper, une journée, au lieu où ils sont confinés tout le reste de l'année, les livres et les rêves leur offrant, par ailleurs, bien d'autres voyages. Le départ est toujours enthousiaste. Pour l'un, Saint-Dié, la cathédrale, le cloître, la rencontre avec l'évêque, et une séance de théâtre sur un thème religieux, accompagnée d'un film muet, comme le cheminot de Capellani, illustrant un épisode des Misérables, lorsque Jean Valjean est accueilli chez Monseigneur Myriel, évêque de Digne. Pour l'autre, la Schlourte et le Honeck, via Gérardmer, avec ascension véhiculée assortie d'un pique-nique, et de leçons d'histoire, de géographie, de sciences naturelles. Un tramway allemand, venant de Münster, inauguré en 1907, et un autre allant de Gérardmer au Honeck depuis 1904, mettent face à face, au col de la Schlourte, de part et d'autre de la frontière, des enfants allemands et français,
certains d'entre eux étant cousins, qui se toisent en souriant malgré le nationalisme antagoniste où ils baignent, et qui, plus tard, seront sommés de prendre les armes pour s'entretuer. C'est là, aussi, que l'on entend parler l'allemand, ou l'alsacien, et que l'on s'amuse de certaines sonorités, que l'on n'aurait pas pu inventer, tant elles paraissent improbables, le seul vrai pays de l'enfance étant celui du rire. Paul a 11 ans, en 1904, quand sa maman Stéphanie, âgée de 50 ans, est emportée par une longue maladie, qui a plongé la famille dans un certain endettement à cause des visites du médecin, de l'achat de médicaments, et de soins infirmiers, alors que n'existe encore ni retraite, ni sécurité sociale, ni mutuelle. Ce décès, qui a lieu le 24 juillet, est d'autant plus lugubre que l'été est radieux. L'inventaire de la maison du Rond-Mézé, établi pour la succession de la maman de Paul, laisse découvrir le mobilier de chaque pièce. S'agissant de la cuisine, on lit, petite armoire, fourneau à quatre pots, petite table carrée, six chaises en bois, une poêle à frire, deux tamis, deux seaux, deux cuveaux, deux lanternes, une passoire, une petite lampe, et deux pots de camp, 12 assiettes, 12 couverts en fer battu, deux plats, deux saladiers, 6 bols, 12 verres à boire. La liste des meubles et objets répertoriés pour chaque pièce de la maison permet d'apercevoir la vie matérielle dans une ferme des Vosges lors de la première décennie du XXe siècle. Et la lecture de tous ces éléments matériels nous laisse imaginer les mille contours de l'absence dans la maison endeuillée. En classe, Paul se trouve assis à quelques mètres de la tombe où sa maman repose. Il n'y a plus de témoins pour dire si cette proximité, dans les premiers temps, laissait à l'enfant la concentration nécessaire pour bien progresser à l'école. Quand Paul est en âge de travailler à la ferme, le dimanche, après les repas familiaux, il peut s'évader à bicyclette, en compagnie de ses anciens condisciples engagés comme lui dans la vie agricole ou se trouvant en apprentissage. Sur les routes du secteur, où l'on ne connaît encore ni le goudron ni les gravillons, assis sur la selle de bécane plutôt rudimentaire, on se fait signe face à ce qui amuse ou qui est insolite. Dans les villages où les derniers toits de chaume sont couverts peu à peu de tuiles, la vie est intense, l'artisanat et le petit commerce sont à leur apogée. On s'arrête parfois dans une épicerie pour de menus achats. C'est souvent l'occasion d'observer la présence de denrées inconnues. Les voies de chemin de fer, une certaine expansion économique amène en effet, jusque dans les campagnes, des produits nouveaux et variés, que vante la publicité, devenant exponentielle, envahissant les journaux, et en particulier les petites annonces, avec un humour qui se fonde trop souvent sur un racisme intolérable. Ainsi, la découverte des rues du canton, où l'on rencontre de temps en temps un concurrent, ou une concurrente du certificat d'études, est une joie simple alliant le sport, la géographie économique, et la connaissance du patrimoine local. L'activité professionnelle est majoritairement liée à l'élevage, à l'agriculture et à leurs dérivés. Meunerie, féculerie, sellerie, charronnerie, entre autres. Les cultures principales, dans tout le secteur, sont, dans l'ordre, en ce temps-là, le blé, l'orge, l'avoine et la pomme de terre. La gare ferroviaire permet, depuis quelques dizaines d'années, des déplacements faciles dans tout le secteur, avec 12 stations entre Corcieux-Valnémont et Épinal, et 2 stations entre la même gare de Valnémont et celle de Saint-Dié, Épinal et Saint-Dié étant les destinations principales. De nombreux marchands ambulants et autres colporteurs vont d'une ferme à l'autre, rémouleurs, rétameurs,
marchand de lunettes, mercier, etc. Bref, il y a toujours quelqu'un pour venir vous donner envie d'une chose à laquelle vous ne pensiez pas et dont vous pouviez vous passer. En un temps où il y a quelque honte à s'adresser au bureau de bienfaisance municipale, lorsqu'on est dans l'embarras financier, les handicapés et les personnes âgées sans famille sont recueillis en quelques lieux où leur sont imposées des tâches correspondant à leurs possibilités, en échange du gîte et du couvert. Tel est le cas de l'hospice de Vichy-Bure, dit hospice de la Vierge, créé dans une ferme en 1882. La population des environs se rend, nombreuse, tous les lundis, au marché de Corcieux, et deux fois par mois ce marché s'ouvre au commerce de bestiaux, ce qui procure une animation haute en couleur. Cette période de l'histoire, qui serait appelée rétrospectivement Belle Époque, est parcourue par une esthétique particulière, qu'on appelle aujourd'hui l'Art Nouveau, où les lignes courbes et les végétaux tiennent une grande place. Outils, aux formes originales, vaisselle aux lignes inattendues, tenues vestimentaires inaccoutumées faisant rêver à une transformation de soi-même, tout est là pour donner l'impression que la vraie vie tient à quelques achats. Dans ma famille, d'habiles couturières s'inspirent des articles à la mode pour apporter aux vêtements qu'elles créent la touche contemporaine et les tendances insolites de rigueur. Elles savent d'instinct que paraître n'est jamais qu'un assemblage d'illusions. À partir de 1911, les tensions internationales entre les puissances, et surtout dès 1912-1913, les menaces allemandes, poussent la France à renforcer les garnisons de l'Est. À d'anciens quartiers en dur s'ajoutent, en certains lieux, comme Corcieux, par exemple, des baraquements nouveaux, essentiellement en bois. Saint-Dié, Fraise, Gérardmer, Bruyères ont leur garnison, avec stands de tir et champs de manœuvre. Maintes cartes postales conservent l'image de cette hypertrophie militaire, avec des êtres à jamais associés à leurs ombres, sur les images fixées par les photographes. Les défilés exacerbent une atmosphère guerrière faisant sourire les uns, qui les rassurent, et inquiétant les autres, en ces années d'entre-deux-guerres, celles de 1870, et celles que l'on espère parfois, tout en la redoutant toujours, et dont la plupart des mères et épouses souhaitent qu'elle n'arrive jamais. Il est donné à Paul et à ses compagnons cyclistes d'apercevoir cette vie militaire dans le spectacle varié qu'offrent les casernes des alentours ou des unités allant en manœuvre sur les chemins forestiers de la contrée. L'aéronautique n'a pas encore sa place dans le secteur immédiat, mais on en parle déjà, et il n'est pas rare de voir voler un avion, qu'on appelle encore aéroplane, ou un ballon militaire, voire un aérostat propulsé par hélice, un parc à dirigeable étant établi à la Louvroy, dans la place forte d'Épinal, dite serrée de rivière. Le temps de la conscription est venu pour Paul. Sur son livre à matricule, au numéro 1469, sont portées les mentions suivantes, cheveux châtains, yeux bleu jaunâtre, front vertical moyen, oreilles écartées, nez rectiligne, bout horizontal, visage long, taille 1m63. Entre parenthèses, à l'époque, pour ce qui est de la taille, la norme en dessous de laquelle on est réformé, est de 1m54. On est en 1913. Vu le contexte international de crise, et notamment l'extrême tension des relations au sein de l'Europe des nations, il est décidé que le service militaire passera de 2 à 3 ans en France. Paul apprend la nouvelle dans sa brutalité. Il est concerné, et, comme tous les jeunes gens nés en 1893, ou comme ceux ayant jusqu'alors obtenu un sursis, il se trouve à la fois écœuré, désabusé et résigné. Il n'est, cependant, pas d'autre choix que de prendre avec humour ce que la vie apporte ou retire. Dès la promulgation de cette loi des 3 ans, l'espace habitable militaire étant devenu insuffisant, de nouvelles casernes, un peu partout, s'élèvent dans la contrée. À Belfort, celle de Brisac et de Rétonnant,
où se trouve le régiment auquel appartient Paul, sont tout juste terminées, quand ses camarades et lui occupent le grand dortoir. Une salle de lecture bien aménagée permet aux jeunes recrues de lire toutes sortes d'ouvrages, y compris la presse quotidienne, passe-temps plus enrichissant et moins coûteux que celui des jeux de cartes dans les brasseries enfumées, ou celui de maisons malfamées, dans certaines rues peu éclairées. Mieux encore, à la caserne sont données des leçons d'histoire venant compléter et éclairer celles de l'école, ainsi que des cours de civisme et d'hygiène. Ayant laissé à regret un père très affecté par ce qu'on appelait des rhumatismes, on dirait aujourd'hui de l'arthrose, le jeune homme n'ayant jusqu'alors connu que les contraintes familiales, scolaires ou religieuses, trouve tout autre celle de la vie de caserne. Le 35e régiment d'infanterie, appelé aussi As de Trèfle, auquel il appartient, a été créé sous l'Ancien Régime. Sa devise est « Tous gaillards ». Des cours théoriques et pratiques permettant l'utilisation et l'entretien des armes sont donnés, entrecoupés d'exercices de combat. Alors que la discipline et la cohésion sont l'objet d'une exigence féroce, avec punition, voire prison au moindre manquement, Paul, comme ses compagnons, doit se soumettre. Il lui faut connaître l'humiliation de certaines corvées répétitives, ou de certains ordres, les brimades et l'autorité aveugle, les exercices et les manœuvres. Le grand établissement de la ville ayant pour nom Brasserie Georges, on imagine sans peine les quolibets que ses camarades de chambrée adressent aux jeunes militaires. Belfort, où sont cantonnés en permanence 5 à 6 000 jeunes soldats, est la ville militaire entre toutes, car ce que l'on y trouve, des casernements aux kiosques à musique, des places d'armes au terrain de manœuvre, et de l'église Notre-Dame-des-Anges aux promenades arborées, était l'usage de l'armée, et en particulier des officiers et de leurs familles. Bien plus tard, Paul apprendra qu'un homme du Music Hall a été incorporé la même année dans le même régiment que le sien, le 35e régiment d'infanterie, Maurice Chevalier, ayant jusqu'alors obtenu des sursis qui ne peuvent plus être repoussés. La nouvelle, annoncée par la presse à la fin du mois de juin 1914, de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, n'émeut pas particulièrement la jeunesse française. C'est fin juillet que tout s'accélère. L'ultimatum de l'Autriche à la Serbie, la mobilisation russe, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, tous ces événements tendent à scinder l'Europe de l'Ouest et du Centre en deux groupements antagonistes. La tension monte. Les permissionnaires sont rappelés. Des commissions de réquisition prennent place jusque dans les villages pour repérer les chevaux et les voitures susceptibles d'être utiles aux opérations militaires à venir. La mobilisation prend plusieurs jours. Le 3 août, l'Allemagne déclare brutalement la guerre. Nulle correspondance conservée ne nous permet d'entrevoir l'état d'esprit de Paul à ce moment-là. Mais on peut s'en approcher, quand, lisant le courrier des jeunes agriculteurs de l'époque, on y aperçoit une consternation unanime. Le monde champêtre, en 1914 comme au temps de Virgile, reste hostile à la guerre. Le soldat français, au début des combats, a un képi et un pantalon rouge, une capote bleue claire et des brodequins. Outre son fusil à baïonnette, il porte au dos un havresac. Une musette est pendue à son cou. À sa ceinture sont tenues une cartouchière, un bidon d'un litre, un gobelet. En hiver, tout est mis en œuvre pour que ce qui est rouge et ce qui brille soient dissimulés sous des couleurs bleu horizon. Le casque d'acier, qui évite certaines blessures à la tête, lors des fusillades, sous la mitraille ou lors de l'effondrement d'abris de tranchées, ne fera partie de la dotation que l'année suivante. Paul se trouve bientôt, au milieu de son régiment, soit 36 officiers et 2156 hommes de troupes, sur des routes, menant en Haute-Alsace, encombrées d'attelages et de convois militaires. Comme pour tous les régiments de sa division, il faut désormais ajouter 200 au numéro qui les identifie.
Le 35e devient donc le 235e régiment d'infanterie, sans changer de devise. La revanche contre l'Allemagne, ayant annexé l'Alsace-Lorraine, a si souvent fait partie des conversations de son enfance et de sa jeunesse, voire des ritournelles chantées à l'école ou dans les familles, qui n'éprouvent sans doute aucun étonnement à faire partie d'une brigade, ayant pour objectif premier, de rendre à la France le territoire annexé, tout en veillant à ne pas laisser l'ennemi contourner le vaste champ d'opération. C'est la seule certitude des simples soldats. Pour la stratégie, il faut s'en remettre aveuglément au commandement. Paul ressent toutefois, comme les autres combattants venus des régions frontalières, la hantise d'avoir pour cible des Alsaciens qu'il a pu connaître, d'anciens enfants ayant un jour passé la frontière pour rencontrer leur famille, les Sticker, Camurer, Luttringer, Schmidinger entre autres, étant présents à la chapelle devant Bruyère depuis des décennies. Parfois, les ordres et contre-ordres obéissent à des lois incompréhensibles, créant un brouillard stratégique plongeant les troupes dans une frustration malsaine. Plus tard, une grande partie des pires épreuves étant évacuée de sa mémoire, ses premiers jours seront associés à des souvenirs marquants et à un regard particulier sur les avions allemands, appelés Taube, qui ne cessent d'étudier la position des Français, ainsi que celui, sur une colonne d'environ 500 fantassins ennemis qui s'approchent, précédés par un escadron de cavalerie. Les nuits sont courtes et les marches excessivement longues sous la chaleur caniculaire, les réservistes en souffrance ayant, pour beaucoup, perdu tout entraînement. La 113e brigade se porte sur Aspach et Ballersdorf, où le combat s'amorce dangereusement. Ce qui, jusqu'alors, n'était que théorie, devient de la pratique. L'horreur se déploie de manière insensée, après quelques heures de bombardement, des deux côtés, où l'on est terrorisé par la violence insoupçonnée de la canonnade. L'entraînement militaire à Belfort, même accompagné de l'artillerie, n'avait pas donné la mesure de l'épouvante associée au fracas mortifère, à la folie des canons aboyant sans cesse, comme une meute hurlante, à la brutalité dramatique. De douloureux moments sont ceux où il faut ensevelir les morts, répartir les blessés dans les établissements sanitaires, et finir par se retrouver encore avec une pioche entre les mains, en train de perfectionner les défenses accessoires et l'organisation des positions défensives. Cette guerre de tranchées prend sa dimension désastreuse quand de fortes pluies viennent gâcher, en grande partie, l'ouvrage accompli. Il faut se remettre au travail avec des méthodes nouvelles. Et quitter les tranchées à peine terminées, pour se diriger vers un autre front vers la rivière et Vautiermont, où il va être nécessaire d'œuvrer à des abattis, pour dégager largement le champ de tir, face à l'ennemi. Toute la guerre sera rythmée, pour les bataillons, par des relèves, où l'on va cantonner quelques jours à l'arrière, suivi d'angoissants retours aux premières lignes. Cruel moment que ceux où l'on croise, le regard abruti par les épreuves, ceux qui dévisagent les partants, pour mesurer ce qui les attend. Se trouver un jour au milieu d'une vaste équipe tout occupée à détruire le clocher d'une église a quelque chose d'incongru, qui ne passe qu'avec le patriotisme ambiant, ponctué de slogans chantés, des sonneries de clairons, de détonations, et d'acclamations. Ainsi passent les jours, les semaines et les mois. Les modulations des obus suivies de prodigieux moments de tonnerre, tous ces fardeaux de violence et de mort, qui s'abattent sans cesse sur les positions où des hommes sont morts de peur, toute cette énormité hargneuse de fer et d'explosifs inventés par l'humaine nature, tout cela laisse dans les oreilles et dans l'esprit des résonances qui ne cessent pas, et dont l'accumulation brise les nerfs. Une nuit, l'annonce de renforts importants arrivés aux Allemands fait placer des réseaux de barbelés de 10 mètres de large sur le front de la ligne de défense principale française, tous les éléments disponibles au régiment, y travaillant, ainsi qu'aux tranchées. Paul voit soudain un projecteur s'allumer, et mourir devant lui plusieurs de ses frères d'armes, sous le feu implacable de l'ennemi. Le 27 janvier est un jour tristement mémorable. Par un froid glacial,
ait mené une opération contre les Allemands en vue de prendre Amersfilet. L'ennemi ne lésine pas, on se trouve sous les mitrailleuses, les fusillades et les projectiles de canons lourds. Le sol n'a jamais autant tremblé, et l'orage était aussi assourdissant. Comment les tympans peuvent-ils résister à une horreur pareille? 57 hommes sont tués, 145 blessés, et 50 autres doivent être évacués pour des gelures sévères. Tels sont les pires jours de la campagne d'Alsace, que Paul se remémorera toute sa vie, jours qui seront suivis par un cruel moment d'hiver avant un printemps où les combats deviendront davantage encore sans merci. Au moment même de l'équinoxe de printemps, un aéroplane allemand survolant Trobach-le-Haut lance 3 bombes sur le cantonnement, tuant un caporal et blessant 2 soldats. En avril a lieu la 4e et dernière injection antityphoïdique. En mai, un dépôt de matériel est organisé dans chaque boyau, en vue d'assurer la protection des combattants contre les gaz asphyxiants. Les tranchées restent bombardées par des torpilles, lesquelles bouleversent considérablement les ouvrages. Chaque jour apporte, avec la rencontre des marchands alsaciens ou des travailleurs dont on a besoin, des nouvelles des autres fronts, ainsi que des lieux où vivaient, avant la réquisition, les soldats présents auprès de Paul. La presse nationale parvient jusqu'aux tranchées, mais n'est pas épargnée par la censure et rend méfiant. Certains soldats, dans une casemate voisine de celle où Paul est à son poste aux heures de garde, tapent à la machine un journal satirique, dupliqué à l'alcool, qui apporte une bouffée d'humour bienvenue, aidant à narguer la mort, qui rôde sans cesse et partout. Le mercredi 11 août 1915, le père de Paul, Émile Didier Georges, âgé de 61 ans, est trouvé sans vie. Son seul fils obtient une permission de quelques jours pour l'accompagner à son tombeau, à Saint-Jacques-de-Stat, avec ses sœurs, la famille côté Georges et côté Colin, et le voisinage. Les funérailles de son père laissent à Paul l'occasion d'être abordé par Marie, qui lui confie, avec de douces paroles de consolation, qu'elle l'attendra toujours, qu'elle a hâte que la guerre soit finie, et qu'elle espère le voir bientôt de retour. C'est avec elle qu'il allait en forêt constituer des fagots dans sa jeune enfance. La jeune fille a déjà été, et va être encore sa secrète ressource d'espérance, au fil des jours sur lesquels va s'attarder, la guerre. Le dimanche 7 octobre 1915, la 113e brigade est relevée, et donc le 235e régiment d'infanterie. Le lundi 9, conformément à des ordres inattendus venus du chef des armées, les régiments embarquent en gare de Belfort, sont débarqués, dans l'Ain, à la gare de Meximieux, et dirigés sur 3 cantonnements où chacun est habillé de neuf, équipé de matériel spécial, informé, averti, où des arabas, véhicules de trait à 2 roues, remplacent les voitures à 4 roues. Des cartes des Balkans sont distribuées, la vaccination anticolérique et les préparatifs du départ commencent. Le 14 et le 15 octobre, un long parcours en train emmène hommes et chevaux vers la Méditerranée. À l'arrivée à Marseille, le régiment est cantonné dans des baraquements au boulevard de Paris. Depuis le quai de la cité phocéenne, les troupes découvrent l'impressionnant bâtiment qui va les transporter, la Sainte-Anna, vapeur à 2 hélices. Voitures, camions et matériel de guerre y sont embarqués. Puis les hommes et les chevaux, l'état-major, la compagnie, hors du rang avec les brancardiers musiciens du régiment. Précédés et suivis d'autres navires de guerre à plusieurs heures d'intervalle, la Sainte-Anna quitte le port de Marseille le 18 octobre à 14h35, emportant, avec le 235e régiment d'infanterie que commande le colonel Vic, un certain Paul Georges, soldat mitrailleur, pour une traversée en direction de Salonique. Nombre de militaires embarqués n'ont jamais vu la mer, ne sont jamais montés sur aucun bateau et ne savent pas nager. La tragédie du Titanic, antérieure de 3 ans, ne peut que les hanter obscurément, jusqu'au moment où ils reçoivent les consignes en cas de naufrage,
accompagné d'exercices avec les ceintures de liège, ainsi que du repérage des canaux. Un autre sujet d'inquiétude est la présence de mines éventuelles, ou la possibilité qu'une torpille lancée par un sous-marin ne fasse sombrer le navire, que précède, à distance, un contre-torpilleur. L'enthousiasme, majoritaire, et l'heureuse insouciance de la jeunesse qui préfère la plaisanterie à l'amorosité, finissent par dissoudre les hantises. Rires et chansons fusent régulièrement des diverses compagnies du régiment. Sous un temps couvert et parfois pluvieux, on longe la côte est de la Corse. L'on est ensuite en vue de la Sardaigne, et le cap est mis sur la Sicile. Sur le Sant'Enna, paquebot réquisitionné par la guerre, pour servir de croiseur auxiliaire en tant que navire transporteur de troupes, les soldats aperçoivent un luxe qu'ils n'ont jamais connu, qui étonne les uns, émerveille les autres, et réveille chez quelques-uns, un vieux sentiment d'injustice qu'aucune révolution ne pourra jamais éteindre. L'instruction militaire dispensée par les chefs en tout lieu du navire, au cours de la traversée, donne à comprendre les raisons de ce départ en Orient. Après une offensive franco-anglaise navale ayant échoué à la mi-mars, le débarquement terrestre décidé en avril 1915 sur la presqu'île de Gallipoli, mise à mal par la défense ottomane, s'est avéré être d'une imprudente témérité, les forces turques étant d'autant plus redoutables qu'elles bénéficiaient du soutien allemand, 500 officiers les encadrant. L'opération interrompue est à présent suivie d'une évacuation. Après cet échec, c'est, avec l'autorisation contestée dans son pays, d'Eleftherios Venizelos, premier ministre grec, au camp retranché de Zaitenlik près de Salonique, que se sont rassemblés, dès le 5 octobre, les restes des troupes engagées, alors que 50 000 soldats, dont 10 000 Français ont trouvé la mort dans cette opération avortée contre les Turcs. 30 000 réfugiés des guerres balkaniques antérieures à 1914 sont là également, et à leur présence va s'adjoindre celle des troupes françaises et britanniques en partance, auxquelles s'ajouteront, peu à peu, les coloniaux des deux pays alliés, puis les Italiens et leurs coloniaux aussi, pour soutenir l'armée serbe, qui, défendant son pays, a repris Belgrade tombé aux mains des Autrichiens, et que les forces austro-germano-bulgares de plus en plus massives mettent en sérieuse difficulté. Ainsi, chaque soldat français embarqué sait-il ne pas gagner Salonique pour une partie de plaisir. Aux côtés des troupes britanniques avec lesquelles va être mené un combat commun, Paul appartient à la Grande Armée d'Orient dirigée désormais par le général Sarraï sous le haut commandement de Joffre, chef suprême des armées françaises. Presque chaque jour, dans les mois qui vont suivre, on obtiendra des nouvelles du front occidental, où le nom de Verdun sera si souvent prononcé. L'arrivée à Salonique a lieu le 23 octobre 1915 vers 16h. Une heure plus tard, sous la pluie, débarquement des hommes, au moyen de chalands, puis chevaux de selle et de trait, mulets, voitures. La nuit à Salonique se passe d'abord en plein air, avant que l'on puisse enfin s'abriter dans des entrepôts libérés à contre-temps. On gagne, dès le lendemain, en colonne de marche avec fanfare, le camp de Zaitenlik, à 4 km, où le bivouac s'établit dans la boue. Jusqu'au 28, le débarquement se poursuit, ainsi que l'organisation nouvelle des régiments présents dans le vaste camp où se trouvent aussi des réfugiés, et toutes sortes de familles en transit. On y trouve aussi, très étrangement, beaucoup de tortues terrestres. L'atmosphère est plutôt joyeuse, dans l'immense foule qui occupe, de façon quelque peu illégitime, cette portion du sol grec. Serbe, macédoniens, réfugiés des Balkans, font entendre leur musique particulière où alternent couplets lents et refrains parfois endiablés. On entend chanter un peu partout la Madelon, là où sont les soldats français, seuls ou en groupe, certaines fanfares ayant arrangé refrains et couplets, à la façon militaire. Du côté britannique,
résonnent sans cesse la mélodie et les paroles de l'autre chanson à la mode, It's a long way to Tipperary. Les fous rires les plus mémorables, comme toujours, sont ceux qu'un rien engendre dans les moments les plus dramatiques ou les plus sérieux. Ainsi, les bons moments de cette arrivée en Orient sont, pour les Alliés, sauf pour les Anglais habitués aux Écossais, la découverte des soldats grecs. La vision des narguilés, la rencontre avec des dromadaires et le spectacle de la vie interethnique, offrent d'autres amusements à des soldats en quête d'exotisme et de fantaisie, entre les terribles épreuves qu'ils ont vécues, et celles qui les attendent bientôt. Beaucoup d'enfants macédoniens, souffrant de malnutrition, et vivant dans des conditions sanitaires déplorables, de même que beaucoup de réfugiés des guerres balkaniques, sont atteints par la malaria, ou paludisme. Endémique depuis l'Antiquité dans les vallées du Vardar et de la Struma, où se trouvent de vastes zones marécageuses, et des basses terres, gorgées d'eau à la moindre pluie, le paludisme, transmis par des moustiques de plusieurs espèces, va exiger des mesures de la part des armées en présence, qui passeront essentiellement par l'ingestion de quinine, l'utilisation de moustiquaires et de révulsifs. Le 28 octobre 1915, les deux bataillons du 235e régiment d'infanterie sont emmenés par un chaotant train militaire, qui les conduit en remontant la vallée du Vardar, à Krivolak, une ville se trouvant alors en Serbie. Les guerres n'ayant pas cessé depuis 1912, ont laissé partout des ruines, où vivent des populations n'ayant pour ressources qu'une maigre agriculture. Il faut, une fois encore, se mettre à creuser des tranchées, installer des postes, des casemates pour les mitrailleuses, se préparer à des échanges guerriers, et surtout, se méfier des cartes fournies, comportant maintes erreurs, en même temps que l'on rend carrossable, par un prodigieux travail, des pistes qui ne l'ont jamais été. Le 2 novembre, des troupes serbes à bout de souffle, sans nourriture depuis plusieurs jours et complètement démoralisées, arrivent en demandant du secours. Des Bulgares supérieurs en nombre les ont longuement poursuivis dans leur recul, et ils ont des blessés. Bientôt les Bulgares s'approchent, et différents fronts sont constitués, avec des tirs quotidiens de part et d'autre, pendant que s'effectuent de grands travaux auprès des ponts et sur la piste. Le 26 novembre, la neige et la tempête rendent très pénible la situation des troupes alliées, et la nourriture devient bientôt insuffisante, à cause des difficultés du ravitaillement. De nombreux malades doivent encore être évacués. Retraits et offensives se succèdent, les colonnes germano-bulgares, aux effectifs considérables, obligeant à des combats incessants et difficiles, parfois à la baïonnette. Un repli généralisé, à marche forcée, vers le camp retranché de Salonique, est brusquement décidé, mettant fin à un calvaire dont on croyait ne pas revenir. Les étapes harassantes, les bombardements insupportables, les veilles nocturnes au milieu des morts, les travaux de terrassement et le remplissage de sacs de terre, la pose de barbelés suivie du face-à-face armé, en quelques jours, et avec une densité journalière hallucinante, tout cela épuise physiquement autant que nerveusement, d'autant que certains combattants, dont Paul fait partie, ont perdu une fraction de leur force, en Alsace, à cause des gaz de combat, qui ont rendu leur respiration plus courte. On imagine Paul, tranquillement couché dans sa tente, par un soir où règne une tiédeur propice à la rêverie, essayant de projeter son regard, à 2000 km, au-delà des montagnes des Balkans, sur la contrée de son enfance où se trouve une certaine Marie, dont il est sûr qu'elle l'attend toujours. Le destin la préservera-t-il d'une désillusion? Avec la folie guerrière qu'il faut vivre, rien n'est moins sûr. Dès le retour au camp de Salonique, chaque homme de la brigade, qui en compte de 1257, est employé dans les immenses et pénibles travaux de retranchement. L'exercice militaire, dans le même temps, n'est pas oublié.
Après les bourrasques de neige du 15 janvier, le général Sarraï octroie, tous les dimanches, une journée de repos aux hommes des régiments présents. Des permissions ont même été accordées, en mars, à des militaires exaspérés d'une trop longue attente. Des hôpitaux, des camps, des entrepôts militaires et des aérodromes très surveillés sont installés à différents endroits du camp retranché. À la fin du mois de mai 1916, 400 000 militaires français, britanniques et serbes, auxquels se joindront bientôt des Italiens, et plus tard des Russes, seront prêts pour aller enfin délivrer la Serbie des envahisseurs. Parmi les soldats français, anglais et italiens, une forte présence de coloniaux augmente encore l'aspect cosmopolite de Salonique et de ses environs, mélange humain qui devient quelquefois celui de Babel, quand, par ailleurs, Turcs, Juifs, Macédoniens, Grecs, Tziganes et apatrides, musulmans et chrétiens, orthodoxes et sans confession s'approchent pour observer un défilé militaire, où l'on ne sait pas exactement ce qui les fascine. Lorsqu'ils se rendent pour la première fois dans le cimetière français pour saluer leurs frères d'armes disparus, Paul et ses habituels compagnons sont stupéfaits de découvrir un nombre de tombes qu'ils n'avaient pas estimé aussi grand. La stupéfaction tourne à l'interrogation métaphysique quand, sur une croix de bois, Paul lit le nom de Paul George, un homonyme inconnu de lui. Le 18 mars, le camp est réveillé à 1h40, par le bruit d'un zeppelin qui vient jeter des bombes sur la partie située à l'ouest de Salonique. Le 27, vers 5h, une escadrille d'avions allemands passe au-dessus du camp retranché pour aller jeter des bombes sur Salonique et les bivouacs proches. Le repos hebdomadaire accordé passe dorénavant, on ne sait pourquoi, d'une journée à une après-midi. Pendant les mois d'hiver, les Serbes ont des routes sur le plateau du Kosovo, terriblement déçus que les alliés occidentaux aient échoué à les soutenir autant qu'ils l'avaient espéré, sont contraints à une longue et terrible retraite, à travers l'hiver balkanique, dans les montagnes du Monténégro et de l'Albanie. Convois, pièces d'artillerie, caissons de munitions et autres matériels étant abandonnés, la débâcle est telle que les rigueurs climatiques et le blocus bulgare, qui empêchent tout ravitaillement, enlèveront la vie à de nombreux soldats. Cette longue colonne humaine traversant un pays en grande partie hostile au drapeau serbe, où certains se liguent avec l'ennemi qui les pourchasse, forme trois cortèges saisissants, sur trois itinéraires, avec le gouvernement, l'armée, les réfugiés, mains serbes expropriées, avec aussi des journalistes et des médecins venus des pays alliés, l'un de ces cortèges étant mené par le souverain de Serbie, le roi Pierre lui-même. Les journaux du monde entier se font l'écho de cette retraite calamiteuse, qui serait considérée de nos jours comme une catastrophe humanitaire. Le résultat est une compassion inclinant à la bienveillance et provoquant, par avance, l'action future des puissances alliées, en faveur de la Serbie. Pour lors, ce qui reste de l'armée serbe est en grande partie accueilli à Corfou, une importante stratégie de sauvetage étant organisée par la marine française depuis les ports italiens les plus proches. Dans le même temps, l'armée d'Orient est assez souvent sur le qui-vive. Un conflit larvé avec la Grèce se noue et se dénoue sans cesse, le roi Constantin étant apparenté à l'empereur d'Allemagne Guillaume II, et son ministre Venizelos, soutenu par une forte majorité, n'étant pas germanophile. Installé provisoirement dans le lycée français de la ville, le général Sarraï, qui commande l'armée d'Orient, est intraitable, au point de chasser, sur leur propre territoire, les troupes grecques autorisant les sous-marins allemands à venir se ravitailler au port de Salonique. Il ira même jusqu'à faire expulser de la ville toutes les autorités officielles grecques. Le 1er septembre 1916, le 235e régiment d'infanterie est transporté sur le chemin de fer, à Veria, où il défile, à 60 km à l'ouest de Salonique. Important changement politique, la Grèce s'est rangée aux côtés des Alliés. Les troupes anglo-françaises sont donc désormais soudées aux Russes,
9000 d'entre eux étant déjà sur place, aux Serbes qui comptent maintenant 122 000 hommes, aux Italiens, et enfin, aux Grecs qui ne cessent d'arriver, et que les Roumains viendront seconder jusqu'au jour où l'Autriche-Hongrie envahira leur pays et prendra Bucarest. Il s'agit en priorité de couvrir la Grande Serbie dans la région du lac d'Ostrovo, et de menacer la droite ennemie. À grandes étapes, et sans aucun mouvement de recul, dans une stratégie concertée entre le général Sarraï, Londres, et Paris essentiellement, les forces alliées avancent presque quotidiennement en marche forcée. Les évacuations et les maladies conduisent à une forte réorganisation des troupes, l'utilisation de fusils mitrailleurs étant considérablement augmentée. La route grimpe bientôt sur des croupes où la végétation est de plus en plus étiolée, franchit des cols, descend par d'interminables lacets, passe par une région de marécages, et traverse à nouveau un pénible secteur montagneux, de Kozani à Kastoria. Le 15 septembre, Paul et ses compagnons d'armes sont à Kastoria. Dans la matinée, alors qu'un temps de repos est prévu, un message arrive par aéroplane, les Bulgares sont en retraite sur toute la ligne, les Serbes leur ont pris la veille 25 canons. La marche pour le 235e reprend. La difficulté tient à l'état des routes, et à l'absence de ponts, tous ayant été détruits par l'ennemi sur le départ. Du 17 au 27 septembre, autour de Pisoderi, les combats coûtent 20 hommes tués, 78 blessés et 11 disparus, au régiment de Paul. Les germano-bulgares reculent toutefois, les jours suivants, mais c'est pour changer de position, à leur avantage. Ils vont résister, pendant un mois, aux assauts des troupes de l'armée d'Orient. Un épisode quasi hivernal, où se mêlent la neige et le gel dans les hauteurs, les pluies incessantes et les inondations dans les vallées, et souvent aussi un épais brouillard, va obliger le régiment à passer un deuxième hiver, dans les rudes montagnes des Balkans, où l'on doit affronter aussi, les dangers, et les dégâts, d'un terrible ouragan. On établit des tranchées, peu à peu fortifiées, dans la neige, de part et d'autre, et un tête-à-tête de tranchée à tranchée, usant et mortifère, va s'établir, dans une monotonie lugubre, jusqu'au premier jour de novembre, avec des moments infernaux, sous la mitraille. Le 30 octobre 1916, à Klastina, les hommes du 235e, non sans stupeur et incompréhension, apprennent la nouvelle d'un ordre inattendu, leur régiment est dissous. Le 5e bataillon devient le 7e du 242e, et le 6e bataillon, le 7e du 260e régiment d'infanterie. C'est à ce 260e régiment que Paul appartient désormais. Il est affecté à la 2e compagnie de mitrailleuses. Le lieutenant-colonel Boag, qui dirige le régiment, victime à son tour du paludisme, est évacué vers la France. Le lieutenant-colonel Antoine Marquis le remplace, toujours sous le commandement du général Sarraï, chef des armées d'Orient. Auprès de Paul, trois soldats sont malades du paludisme, et le spectacle qu'ils donnent est pitoyable. Ils ont des phases de fièvre et de tremblement, ils claquent des dents, ont soif, ne peuvent quasiment pas manger, et gémissent régulièrement. Ils ne tarderont pas à regagner Salonique, dans un train sanitaire. Les ravages du paludisme, de la dysenterie, de l'entérite, ne cesseront guère, dans les Balkans, pour les combattants du corps expéditionnaire. Paul, pourtant soumis, comme ses frères d'armes, aux piqûres des moustiques, sera épargné, comme s'il était naturellement immunisé, alors qu'il voit plus de la moitié de ses meilleurs compagnons, tour à tour affectés par la maladie, certains étant hospitalisés, d'autres rapatriés en France, le décès de 630 d'entre eux étant à déplorer en 1916. Les soldats britanniques, russes, italiens, grecs, et tous les autres, partagent le même triste sort. Les missions de la Croix-Rouge se succèdent, sans cesse, dans le port de Salonique, et la construction hâtive de nouvelles unités hospitalières, en bois le plus souvent,
occupe de plus en plus de bâtisseurs sur le camp retranché. Le général Charles Regnault, devenu, plus tard, commandant en chef de l'armée française d'Orient, écrira un jour, « C'est avec des bataillons de paludéens, capables de marcher et de se battre seulement dans les intervalles de leurs accès, que Sarraï a dirigé les opérations qui ont refoulé l'attaque bulgare en août 1916, et qui ont amené son armée victorieuse jusqu'au-delà de Monastir, vers la fin du mois de novembre 1916. » Paul appartenait à ces bataillons-là. La prise de Monastir, ville située dans une petite plaine encaissée, entre de hautes montagnes, qui appartient alors à la Serbie, et qui se trouve aujourd'hui en République de Macédoine, sous le nom d'Obitola, cette prise par les troupes de l'armée d'Orient, associée aux forces de la Serbie, faisant reculer largement les forces germano-bulgares, a un retentissement mondial. Toutefois, le régiment de Paul, le plus haut sur le front de la 57e division, est soumis à la domination bulgare, dont les lignes sont toutes en hauteur, au col de Snegovo. Un terrible travail, quasi troglodytique, incombe aux hommes, pour creuser des tranchées dans la roche, les relier par des boyaux, établir des casemates et des abris, créer des réseaux de fils de fer, alors que l'ennemi, à une centaine de mètres, ne lui laisse nul répit, avec des tirs de mitrailleuses croisées, des feux d'artillerie, et, la nuit, des coups de projecteurs, ou des fusées éclairantes, pour surprendre les travailleurs isolés, comme les attroupements d'hommes accablés par les épreuves. Les ravins, les chemins, les sentes les plus discrètes, étant observables pour l'ennemi par temps clair, les déplacements n'ont lieu que la nuit. La nourriture arrive vers minuit, en catimini, les cuisiniers étant parfois blessés, voire tués, dans leur périlleuse mission. Des jours et des nuits se passent, à rester terrés dans les tranchées, tout en ne perdant pas de vue les lignes ennemies d'où peut toujours partir une offensive. Les mitrailleuses et l'artillerie germano-bulgare ne sont jamais longtemps silencieuses. Avec décembre arrive la neige, et de grandes nuits de gel, rendant plus douloureuses encore les privations et l'état d'alerte incessante qui mine les nerfs des troupes chez lesquelles le paludisme oblige à retirer du front de plus en plus de soldats amaigris, épuisés, exsangues. Le moral ne fléchit pas, cependant, car l'enjeu est important. D'une part, il faut empêcher tout retour de l'ennemi à Monastir. D'autre part, les forces alliées, avec des renforts, devrait pouvoir le déloger de ses positions. Deux faits majeurs, ou s'y opposent, ou font tarder l'assaut final. Ce sont d'abord l'hiver et la configuration des lieux. Mais ce sont aussi les nouvelles hésitations de la Grèce à soutenir plus longtemps les Alliés, et le risque qu'elle se plie aux volontés du camp associé à l'Allemagne de Guillaume II. À la fin du mois de décembre, le travail fourni sur le front allié est tel qu'il est possible aux bataillons en ligne d'être relevés, et d'aller passer quelques jours de repos à Monastir, pendant que d'autres bataillons les remplacent. C'est ainsi que Paul et ses frères d'armes passent Noël loin de l'ennemi, lequel ne se prive pas, cependant, de lancer des obus, régulièrement, ici et là, sur la ville qu'il a dû abandonner au vainqueur. Cantonné à Monastir, pour les soldats du 260e régiment d'infanterie, c'est avoir la possibilité d'oublier les rats des tranchées, de se débarrasser des poux, de la crasse et de la boue. C'est se défatiguer les oreilles, du bruit infernal de la mitraille. C'est voir des visages de civils, moins abattus que ceux de leurs compagnons. C'est faire comme si la guerre n'existait pas, au moins le temps d'une relève. On s'aperçoit quelquefois, lors de captures de prisonniers, que certains soldats qu'on croyait allemands ou bulgares, sont des Grecs, des Macédoniens, voire des Serbes, incorporés dans le camp ennemi sous la contrainte, comme l'étaient mains alsaciens, un an et demi plus tôt, sur le front de la première campagne. C'est un matin d'hiver, où l'on a l'impression que le jour ne se lèvera plus jamais. Le ciel, sombre, assombrit la neige. Au grand vent froid de la veille,
succède un souffle morne, causé par la différence de température entre la plaine, lointaine, et les sommets proches. À l'angle de deux tranchées, les trois logements troglodytiques, où sont cloîtrés sept soldats, dont Paul, leur demande d'être à l'écoute, de tout bruit de sape ou d'approche, la prudence, paralysante, où le haut commandement maintient l'armée d'Orient dans ses retranchements, depuis plusieurs semaines d'un hiver rigoureux, étant plus harassante, encore, et surtout plus décourageante, que les marches forcées de naguère. L'ennemi germano-bulgare est à l'affût de la moindre erreur, ou défaillance, de la coalition alliée. Si les nuits sont, le plus souvent calmes, chaque jour connaît des heures de canonnade, quelquefois hallucinantes, et toujours assommantes. Qu'arrive-t-il soudain à Paul, à un moment de ce 21 janvier 1917 ? Il est à terre. On l'entoure. Le médecin intervient. On appelle des brancardiers, qui le transportent, avec toutes les difficultés que représente cette évacuation, vers Monastir. La plupart du temps, c'est avec des chevaux, des mulets, ou un cortège d'ânes, que l'on transporte les blessés, loin du front de guerre. Le journal des marches et des opérations du 260e régiment d'infanterie donne à connaître le bref aperçu de la journée, ainsi que le tableau des pertes. Le matricule de Paul est plus explicite encore. Blessé par balle à la tête, le 21 janvier 1917, à Monastir. La photographie a gardé l'image de moines ambulances ou hôpitaux militaires des Balkans, où ont transité tant d'hommes blessés, tant d'hommes malades, avant d'être renvoyés sur le front, ou rapatriés dans leur pays d'origine. Paradoxalement, la guerre a fait considérablement progresser la médecine et la chirurgie. La radiologie, dont la mise au point n'est pas très ancienne, permet de repérer, avec précision, l'emplacement des balles, ou des éclats d'obus, dans le corps des hommes devant être opérés. Paul subira une trépanation, technique de chirurgie de guerre, réalisée avec de l'alcool à 95 degrés, après une préparation au niveau de la plaie, suivie d'une incision de la calotte osseuse, jusqu'à obtention d'une brèche, d'une extraction du projectile, et de soins post-opératoires, visant à empêcher abcès et suppuration. Les antibiotiques ne seront connus que 10 ans plus tard, et le protoxyde d'azote, que feront découvrir les Américains quelques semaines après ce fatal mois de janvier, remplacera utilement l'éther, le chloroforme et le chlorure d'éthyle, jusqu'alors utilisés pour l'anesthésie. Le 15 février 1917, soit moins d'un mois après sa trépanation, Paul est transféré à l'hôpital auxiliaire numéro 1 de Salonique, où il reste environ 2 semaines. Une chance, pour lui, tient au fait que la trépanation nécessaire à l'extraction du projectile ait été effectuée en 1917 et pas auparavant. Les interventions de ce type, au premier temps de la guerre, laissaient au trépané un trou plus ou moins important, uniquement protégé par la peau, où le doigt sentait battre le sang, et qui conférait à l'opéré une fragilité, pouvant être un handicap. Désormais, la partie osseuse est réparée, soit avec un morceau d'os crânien ou pris ailleurs, soit avec une petite plaque de métal inaltérable. Les séquelles les moins graves sont des maux de tête fréquents, quelquefois des sinusites. Après une période décourageante, où il a l'impression que ses mouvements et sa réflexion sont nettement ralentis, Paul se remet progressivement à avoir confiance dans la vie, et finit par reprendre vigueur. Le voici en partance vers l'Occident, d'où il est venu, 1 an et 5 mois plus tôt. Le navire, qui l'emmène vers la France, ne possède pas de canon, arbore une grande croix rouge, peut être visité par l'ennemi, ce qui, normalement, doit le faire respecter en Méditerranée, encore qu'un sous-marin allemand ait déjà torpillé sauvagement, en mer Noire, un navire hôpital russe. Par ailleurs,
il n'est pas exclu qu'une mine flottante ait raison de l'étanchéité de sa coque, d'où les exercices d'évacuation, au signal d'un sifflet, à l'aide de gilets de liège et des canots, et qui concerne surtout l'équipage, ainsi que les membres du corps médical. Bien des malades n'auraient pas la force de résister au péril d'un naufrage, Paul en est conscient au moins pour lui-même. Il pense être, à jamais, écœuré par l'odeur de l'eau de Javel, que le service sanitaire des hôpitaux terrestres ou maritimes utilise à profusion, et qui a servi, dans son cas, à éviter un accident infectieux, après la trépanation à Monastir. Paul est débarqué à Bandol le 5 mars 1917 et, de jour en jour, il reprend pied dans l'existence, le printemps méditerranéen étant d'une douceur bienfaisante, et la marche, en joyeuse compagnie, avec un chapeau protégeant sa tête du soleil, répandant peu à peu ses bienfaits dans son organisme. Il a, alors, le loisir de discuter avec certains de ses compagnons d'infortune, souvent plus handicapés que lui. L'un a perdu une jambe, un autre un bras. Un autre, qu'il a connu à Belfort l'année de son incorporation, est défiguré, n'a plus qu'un œil, et fait peine à voir. Loin de l'enfer d'Orient, ou de celui du nord et de l'est de la France, il n'est pas vain de tenter de faire le point, d'autant que le brassage ethnique, qui existait dans les tranchées, se retrouve là, et que chacun a un point de vue particularisé par son expérience antérieure de la vie, par son monde social d'origine, ses études ou ses lectures. On est tous d'accord, pour haïr une guerre laissant bien peu de chance, avec ses armes de plus en plus monstrueuses, à la fragilité humaine. Tous d'accord, aussi, pour haïr une hiérarchie cadenassée, où les ordres, de haut en bas, finissent souvent dans l'arbitraire. Tous d'accord, pour considérer, que l'effort ou la vaillance, ne sont pas toujours reconnus, et que certaines distinctions sont un peu distribuées au hasard. On est tous d'accord, enfin, pour des rigolades, homériques, faisant s'esclaffer les jeunes infirmières, et consternant la religieuse en chef, qui aime l'ordre et le silence. Dans le train le conduisant vers le nord-est, ce rescapé de la mort, qui emmène avec lui l'espérance de sa progéniture, va bientôt retrouver, le temps d'une permission attendue depuis si longtemps, celle qui aura espéré son retour, dès la mobilisation du 2 août 1914, et avec laquelle il s'apprête à vivre une longue aventure. Elle est un peu plus âgée, et ils se sont connus dès leur tendre enfance, vu la proximité des fermes, où l'un et l'autre sont nés. Leurs parents se sont toujours entraidés, et ont même partagé les loisirs, de fréquentes veillées, ou, de repas champêtres, aux jours parfois difficiles, mais finalement si heureux, de la belle époque. S'il arrivait aux uns de manquer de quoi que ce fût, les autres accouraient, et réciproquement. Dans les pires épreuves qu'il a connues sur les différents fronts, Marie est restée l'étoile secrète, rendant moins sombre l'horreur infinie de la guerre. Lors de ce long conflit mondial, impliquant Paul et ses beaux-frères, ses sœurs, des familiers du voisinage et des réfugiés, ont manié la faux, conduit la charrue, leurs enfants, aidant les travaux de fenaison ou de moisson, à la fourche ou au râteau, de vieilles personnes s'efforçant généreusement d'apporter le soutien de leurs forces déclinantes. On avait aussi recours aux ouvriers âgés, peu ou prou handicapés, dont les usines avaient été bombardées sur le front d'Alsace et qui étaient venus dans les mairies faire savoir qu'ils proposaient leurs bras pour les travaux de toutes sortes. Dans sa ferme familiale, Marie Ferry a, elle aussi, redoublé d'efforts pour compenser l'absence des hommes. Paul est considéré comme appartenant toujours au 260e régiment d'infanterie, dont le dépôt est à Besançon, où il se trouve le 25 juin 1917, pour une tentative de réincorporation en même temps qu'une réadaptation à ses futures activités agricoles, car il ne peut pas ne pas avoir été victime de ce que l'on appelle aujourd'hui un stress post-traumatique.
Il est question qu'il soit définitivement rendu à la vie civile, lors d'un conseil de révision, qui se déroule à Besançon, le 7 novembre 1917, ce qui sera officialisé, à Épinal, le 7 février, de l'année suivante. À partir du 17 juin 1921, il recevra une modeste pension, dont la valeur périclitera, avec les crises boursières, consécutives au krach de 1929. Son mariage, avec Marie Ferry, a lieu le 6 décembre 1917, jour de la Saint-Nicolas. Ainsi la fête est-elle à la fois familiale et villageoise, en particulier pour les enfants. Marie, par ailleurs, est enceinte, depuis le temps des retrouvailles, et accouchera dans 2 mois, ce qui fait ressurgir, le jour même de la noce, le sobriquet Quanus, avec un ton grossier, dont on se moque bien chez les Georges. Quoi de plus réjouissant, que d'attendre un enfant, même si c'est un peu, hors mariage. Malheureusement, la guerre et ses drames, sont toujours d'actualité. C'est en ce jour, du 6 décembre 1917, précisément, que le Mont-Blanc, cargo devant emporter vers la France 3000 tonnes d'explosifs, entre en collision avec un navire norvégien, dans le port de Halifax, au Canada, une déflagration énorme, entendue à 400 km de distance, jamais encore connue, dévastant une grande partie de la ville, ainsi que toute une région, faisant plus de 2000 morts, 9000 blessés dont 6000 très gravement, et 6000 sans abri. La détonation du Mont Blanc, considérée comme l'explosion la plus puissante, jamais créée par l'homme, avant celle d'Hiroshima, est la pire catastrophe de l'histoire du Canada. Lorsqu'il reprend son activité agricole avec Marie, dans la ferme du Rond-Mézé, Paul a la chance de n'avoir pas à restaurer ses terres, à déminer, à remettre à niveau des entonnoirs et des excavations, à déplorer des arbres mitraillés, devenus inexploitables. C'est le sort, à quelques kilomètres, de combien d'agriculteurs, dont les terres, ayant été le théâtre de l'horreur guerrière, sont infestées d'obus, de grenades, de mines et de produits toxiques. Il reste que les campagnes et les usines manquent de main-d'œuvre et que cela sera encore avéré après l'armistice, tant de disparus manquant à l'appel. Avec la mort ou la disparition de 10% de sa population active, soit 1 400 000 morts, à quoi s'ajoutent les victimes de la grippe espagnole, la France est dans une situation démographique telle que l'immigration est d'une nécessité absolue. Pour redresser une économie exsangue, l'industrie étant tombée à la moitié de sa production d'avant-guerre, et l'agriculture étant appauvrie dans des proportions voisines. Si le territoire de la chapelle de Vambruyère n'a guère souffert, nombre de villages voisins, nombre de villes, présentent un spectacle de désolation. Habitations, usines, fermes, ponts, routes, voies ferrées sont à reconstruire dans une zone ravagée, dite zone rouge, située sur 11 départements du nord et de l'est de la France. Certains villages seront rayés de la carte, à jamais. Paul cache, tant bien que mal, comme tous les anciens combattants, ce qui, en lui, est détraqué. Des migraines qu'il ne connaissait pas avant la trépanation auraient tendance à le démoraliser quelquefois, s'il ne s'obstinait à tenter de les dompter. Elles s'estomperont heureusement après quelques années. Certains jours, et notamment devant l'adversité atmosphérique où son moral fléchit, il lutte pour néanmoins travailler, devenant un peu irascible, ayant les nerfs à fleur de peau. Ses nuits sont parfois perturbées par des bombardements et des scènes de combat, où surgissent même des monstres, venus d'on ne sait quel univers. Il se réveille, essoufflé et heureux d'être où il est, auprès de Marie. Il est l'un des millions d'hommes que le destin fait vivre, au cœur même du drame, en une période parmi les plus redoutables de la civilisation occidentale, des hommes dont l'existence ne sera plus jamais entièrement paisible. Toutefois, ayant atteint le bout de l'enfer, il peut envisager autrement la vie que s'il n'avait pas connu la guerre.
C'est une modeste consolation. Son existence est presque toujours profondément méditative, vouée au paisible travail de la terre et à des relations harmonieuses avec les siens. Les journaux, lui apprenant l'incendie de Salonique, survenu le samedi 18 août 1917, et le naufrage du Saint-Anna, paquebot sur lequel son régiment et lui ont embarqué en 1915, qui a été torpillé le 11 mai 1918 par le sous-marin allemand UC-54, au large de la Tunisie, il ne peut que devenir songeur. D'autant qu'auparavant, le 4 octobre 1916, une centaine de soldats appartenant au même 235e régiment d'infanterie ont sombré dans le naufrage du Gallia, également torpillé par un sous-marin. L'armée d'Orient, à laquelle il a appartenu, parfois considérée comme accessoire par la haute hiérarchie militaire française et anglaise, dont Clémenceau se moquait en traitant les combattants de jardiniers de Salonique, prend une place prépondérante dans le dénouement de la guerre, en septembre 1918, sous le commandement du général Louis Franchet d'Esperey qui obtient, après une courte campagne de 2 semaines, la capitulation du groupe d'armée germano-bulgare, l'armistice étant signé le 29 septembre à Salonique. Paul a pris une balle dans la tête et a gardé toutes ses facultés. Il n'a été atteint ni par le typhus, ni par le paludisme, ni par la dysenterie. L'épouvante et l'absurdité absolue de certains moments de la guerre n'ont pas eu raison de sa santé mentale. Sur le monument aux morts de la chapelle de Vambruyère, 24 noms sont gravés, dont celui de 4 hommes de sa famille. Chacun de ces noms évoque pour lui un visage, une allure, une voix, un regard, une certaine façon de penser et de rire, à jamais disparu. Alors qu'il lutte contre l'émergence récurrente et insoutenable des moments terribles où mourait près de lui un frère d'armes, qu'un autre but transformait en projectile, en voyant sa chair et ses os dans toutes les directions, ses proches lui disent, à nouveau, qu'il a eu de la chance. Il hausse les épaules en souriant, non sans tristesse, pensant aux 10 millions de chevaux qui sont morts dans la terrible guerre. Il s'efforce d'oublier le brave mulet d'Orient, l'ayant aidé au transport des munitions, dans sa compagnie de mitrailleuses, et qu'il a vu à terre, mortellement blessé, lui jeter un dernier regard. À la longue, il y a des périodes où il s'étonne de n'avoir pas pensé un seul instant au combat, depuis plusieurs jours. C'est souvent le journal du matin, qui le remet en face de la réalité du monde, où il y a toujours une guerre quelque part, et la souffrance qui va avec. Des révoltes d'indépendance éclatent, en Irlande, en Inde, en Afrique noire, en Égypte et au Soudan. Le plus à craindre est l'innovation militaire, consécutive à la course aux armements, née de la rivalité économique, qui s'empare de la terre entière, où il craint qu'un jour ne s'exprime une folie internationale, pire encore, que celle qu'il a connue. Une certaine fierté s'est emparée de la France, suite à la victoire de 1918. L'espoir, les chantiers de reconstruction, la modernité, que, d'une certaine façon, la guerre a paradoxalement engendré et accéléré, le regard du monde sur la France, et le regard de celle-ci sur les pays qui ont participé, et conduit avec elle à la victoire, tout cela donne un souffle nouveau, international, qu'annonçaient déjà, depuis celle de Londres en 1851, les expositions universelles. La volonté commune d'oublier la guerre engendre l'état d'esprit particulier, qui est celui des années folles, où, subversif, le surréalisme et la fantaisie dans tous les domaines, tentent de faire diversion, un peu hors du temps. Chez les êtres attachés au débat politique, 2 états d'esprit s'affrontent. Celui craignant la dissolution du pays dans l'internationalisme intellectuel ou politique, et voulant resserrer les boulons du nationalisme, et celui, prêchant l'internationalisme, à condition qu'il soit anticapitaliste. Ces combats partisans, ainsi que la lutte des classes, ne sont pas bien appréhendés dans les fermes reculées de la montagne vosgienne,
car ils ne correspondent en rien à la réalité quotidienne du métier d'agriculteur-éleveur. Dans les vallées ouvrières, où des cellules communistes sont créées, tout est différent. Alors que les saisons se succèdent avec leur beauté propre et aussi leur rigueur, le monde paysan de la moyenne montagne, attaché à des valeurs ancestrales, n'entre que très prudemment dans les menées politiques, mais suit attentivement l'action des ministres de l'agriculture, notamment leurs voyages, et l'opinion qu'ils donnent des prétendus bienfaits du collectivisme, ou de ceux attribués au modernisme agricole des États-Unis. Victor Borré, nommé par Clémenceau ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, qui n'a de cesse de repeupler les campagnes, de permettre aux salariés de devenir leur propre patron, et d'aider le secteur agricole à retrouver ses potentialités, est apprécié pour son œuvre réaliste, y compris chez les agriculteurs traditionnalistes, qui savent aussi apprécier le bien fondé de certaines lois nouvelles, comme celle, en 1928, instituée grâce à Henri Chéron, maire de Lisieux devenu ministre, et personnage haut en couleur, une loi créant une caisse d'assurance et de protection contre les calamités agricoles. Ainsi, la vie paysanne que l'on mène en ces années d'entre-deux-guerres, toute soumise qu'elle soit aux caprices des saisons, mais mieux protégée qu'autrefois contre l'adversité, n'est pas dépourvue, globalement, de charme ou de fantaisie, et quoi qu'en disent ceux qui veulent subordonner le monde agricole à des progrès scientifiques, qui s'avéreront ultérieurement bien trompeurs, cette vie ne manque pas d'être saine, tant pour l'homme que pour la petite croûte terrestre qu'il cultive, ce que l'on aperçoit de plus en plus, aujourd'hui, avec une nostalgie admirative. Peu à peu, l'accroissement de la famille exige que la fournée de pain hebdomadaire soit plus importante. À la ferme, comme dans toute entreprise, chacun, dès le plus jeune âge, a plus ou moins ses tâches, en fonction de ses goûts, en fonction de ses talents, et parfois même contre ses désirs, pour s'aguerrir dans un ouvrage dont l'exécution finit toujours par devenir de plus en plus facile, si ce n'est plaisante. À 10, le travail de tous perd de son poids, dès lors que chacun remplit avec ardeur et respect la charge qui lui revient. Son métier d'agriculteur, moyen de subsistance de la famille qu'il a fondée avec mari et qui s'accroît, qui permet à chacun d'échapper à l'étau de l'appartenance sociale et à un univers de plus en plus industriel et mercantile, en lui procurant un refuge où il est souvent seul ou avec les siens dans l'aimable nature, Paul ne le troquerait, quant à lui, contre aucun autre. Marie et ses enfants partagent ses vues. La vie d'usine, strictement productiviste, lui semblait trop pire que la condition d'élève, où la privation de liberté s'accompagne au moins de l'accroissement du savoir. Certains de ses anciens camarades d'école, partis dans les vallées ouvrières, qui paradent, en roulant sur un motocycle, qui exhibent des appareils ou des oripeaux de la dernière mode, tout en étant contents de revenir régulièrement se ressourcer à la ferme de leurs parents, Paul est plaint d'avoir troqué leur libre arbitre contre une soumission. À table, il y a toujours quelque anecdote, autour de laquelle la conversation s'établit. Une rencontre imprévue, un incident, une nouvelle colportée, avec plus ou moins de vraisemblance, par quelqu'un que l'on a rencontré. La migration des oiseaux, la floraison, la prolifération de certains parasites, l'arrivée de curieuses espèces antérieurement inconnues, captivent l'attention des uns et des autres, tout au long des activités agricoles, de sorte que l'existence est un perpétuel apprentissage, toujours enrichi de nouveautés. Si l'art déco, le surréalisme, le jazz, la littérature américaine, métamorphosée par la nouvelle ère, consécutive à la Première Guerre mondiale, arrive depuis Paris, via Gérardmer ou Strasbourg, dans les vallées des Vosges, à part la presse locale, et les livres, que les enfants empruntent à la bibliothèque scolaire, ou paroissiale, on lit peu, par manque de temps surtout, à la ferme du Rond-Mézé, l'essentiel étant, dans l'existence autarcique que l'on mène,
que chacun apporte son écho de travail afin de soutenir l'effort de la collectivité familiale. La radio, qui gagne peu à peu toutes les familles, aide, d'une autre façon que le journal, à la rencontre avec les pays les plus lointains. C'est ainsi qu'un soir, peut-être, faisant passer l'aiguille d'une station à l'autre, Paul a-t-il trouvé une source qui diffuse de la musique des Balkans, reconnaissable entre toutes, et qu'il a pu évoquer l'ambiance sonore de Salonique. S'il a eu envie d'en parler, les confidences et les retours sur le passé, n'étant pas ce qu'il y a de plus important, dans le monde agricole, où les récoltes appartiennent toujours au futur. Cette photo, où Paul figure, prise en 1927, soit 10 ans après son retour d'Orient, nous le donne à voir, âgé de 34 ans. Assis dehors, alors qu'il a neigé, il est venu, souriant, la cigarette à la bouche, une écharpe sur l'épaule, apporter une bouteille de champagne au jeune couple, qui se marie, l'époux étant l'un de ses bons amis d'enfance. Paul est alors papa de 7 enfants. René a 9 ans, Paul est 8 ans, Léon 7 ans, Claire 5 ans, Gilbert 4 ans, Roger 3 ans, Gaston 2 ans, et Edmond 1 an. Odette et Maria, qui peindront la vie en bas âge, ne sont pas encore nées. Ni Cécile. Si nous pouvons regretter que la netteté de l'apparence physique de Paul soit gâchée par la surexposition, du fait qu'il se trouve sur une frange où le halo de la neige n'a pas été suffisamment pris en compte par le photographe, du moins découvrons-nous un homme tranquille, soigné, avenant, gentiment malicieux, content d'être associé à la joie de la famille entourant le jeune couple. Sans atteindre, assurément, à la ressemblance idéale, un peu de couleur, en tenant compte des indications données sur le matricule de Paul, donne un minimum de précision à sa physionomie. Nous sommes en décembre 1927, moins de 10 ans après la fin de la Grande Guerre, et il est encore permis de se faire des illusions sur l'avenir de l'Europe et de l'humanité en général. La crise économique de 1929, alors qu'elle plongera les États dans la récession, ne va pas tarder à favoriser l'ascension d'Hitler, dont le but sera atteint en 1933, et lui donnera peu à peu tous les pouvoirs. Dans le même temps, la France ronronne. Inauguration du boulevard Haussmann le 15 janvier, accord franco-britannique sur les dettes de guerre en février, évacuation de la Sarre en mars, service militaire ramené à 1 an en mai, traité de commerce avec l'Allemagne en octobre, loi scolaire sur la gratuité des études de la 6e à la 3e. De chez lui, lisant chaque matin le journal, Paul voit se créer une fracture de plus en plus grande entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, le premier tendant à l'internationalisme avec un inquiétant rabotage culturel, le second au colonialisme, y compris le plus insidieux quand il est seulement commercial. Le 27 août 1928 est signé, à l'initiative d'Aristide Briand, ministre français des Affaires étrangères, et avec l'aide de Frank Kellogg, secrétaire d'État américain, le pacte de Paris, par 63 pays, qui condamne le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renonce en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. L'interdiction de la guerre, selon ce pacte, fait désormais partie du droit international universel, tout différend devant être obligatoirement réglé par des moyens pacifiques. 3 ans plus tard, les espoirs soulevés par le pacte de Paris seront abolis, intervention des États-Unis en Amérique centrale et du Japon en Mandchourie en 1931, de l'Italie en Abyssinie en 1935, de l'Union soviétique en Finlande en 1939, suivi des invasions allemandes et soviétiques de la même année, et qui engendreront la Seconde Guerre mondiale. En 1929, l'Allemagne se voit réduire le montant des dommages de guerre qu'elle doit à la France. La Grande Dépression économique, consécutive au krach boursier, qui a lieu à New York en octobre de cette même année,
n'affectera la France qu'à partir de 1931, mais durera jusqu'à la guerre, et causera une instabilité gouvernementale, dont le danger sera reconnu trop tard. En cette période, où le chômage passe de 2 à plus de 15%, qu'il atteigne 36% aux États-Unis en 1932, ou 44% en Allemagne, n'est pas une consolation. Des affaires de corruption entament le peu de crédit, de politique instituant une réforme fiscale, ou une réduction des effectifs des fonctionnaires, et une baisse générale des salaires, sont décidées. Les pensions des anciens combattants, souvent mesquines, sont elles aussi diminuées, et Paul en est révolté. Un train de mesures drastiques est mis en place au moment où la production industrielle bénéficie d'une éclaircie. La France, qui semble de plus en plus ingouvernable, se partage, de façon inquiétante, entre des ligues d'extrême droite puissantes, capables d'émeutes, dans la rue, comme au Parlement. C'est face à elles que vont s'unir les partis de gauche, lors du Front populaire, mené par Léon Blum, à la suite de quoi, les salariés vont obtenir des droits nouveaux et bénéficier, enfin, de congés payés. La joie de vivre, engendrée chez les travailleurs, par ces réformes sociales bienveillantes, sera bientôt ternie par les menaces de guerre. C'est, avec des hommes, ayant déjà posé pour la photo de mariage, où l'on a aperçu Paul tout à l'heure, que se trouve, quelques années plus tard, le curé de la chapelle de Vambruyère, assis le deuxième à gauche, et l'abbé Poirot, le deuxième à droite. Un autre ecclésiastique est debout, au deuxième rang, troisième à partir de la gauche. On s'aperçoit que les villageois reconnaissables, d'une photo à l'autre, ont pris de l'âge, alors qu'ils se trouvent réunis pour une cérémonie, en atteste leur tenue vestimentaire. Quelle cérémonie ? Rien ne le dit. La présence de la neige, encore une fois, donne à cette photo un caractère archaïque, amusant, autant qu'étrange. Serait-on prêt, de nos jours, à poser tranquillement, assis dans la neige, comme le font ces hommes d'un autre temps ? On distingue, à droite, un véhicule, où, semble-t-il, des couvertures protègent le moteur, du gel. Est-ce l'écrevisse, le taco de légende, de couleur rouge, à trois roues, de l'abbé Poirot ? Une remarque s'impose, à elle seule, cette photo montre quelle place est faite à la femme, entre les deux guerres, dans la moyenne montagne vosgienne, une femme qui n'a pas encore obtenu le droit de vote. Il est à peu près certain que ces hommes, fixant l'objectif, ont en tête la situation préoccupante causée en Europe par au moins trois dictatures, la plus redoutable étant sous le pouvoir absolu d'Hitler. On a appris, en 1929, le début de la création de la ligne Maginot, une suite de fortifications construites le long des frontières françaises, face à la Belgique, au Luxembourg, face à l'Allemagne, à la Suisse et à l'Italie. Le béton armé s'y trouve massivement employé, de même que l'acier pour le cuirassement et le blindage. Ces fortifications modernes procurent aux gouvernements qui se succèdent, et au peuple y compris, la conviction d'être parfaitement à l'abri des visées ennemies, toujours prêtes à renaître, de leurs cendres. La famille Georges, et toute la parenté, sont brutalement plongées dans le deuil, le mercredi 29 avril 1936, quand force est de constater que le jeune Roger, enfant de 11 ans, ayant été transporté en urgence à Nancy, vient de succomber à la méningite, vers minuit, quelques heures après son retour chez ses parents. Une petite lumière s'est éteinte, qui plonge dans la douleur toute une famille, en ce printemps de l'année 1936, alors que tant de joie va bientôt éclater partout dans le pays, suite aux acquis sociaux, obtenus grâce au Front populaire. Dans les tristes jours consacrés aux funérailles, l'abbé Poirot et Paul se trouvent, plusieurs fois, amenés à parler d'homme à homme et à échanger des confidences.
Tous deux ont combattu hors de France lors de la Grande Guerre. Le prêtre, natif de l'Hérin, ayant perdu ses parents, en bas âge, avant d'aller étudier, à Rome et à Louvain, et de s'engager ensuite en Italie, contre les oppresseurs autrichiens, malgré une santé fragile, a résisté, comme lui, aux épreuves du combat. L'estime secrète, qu'il élit depuis longtemps, même si Paul n'est pas un pilier d'Église, tient à leur volonté commune, inflexible, que le ciel, surplombant la France, n'appartienne qu'aux Français. Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni, sidérés devant le culot infernal d'Hitler, lequel réussit à se partager la Pologne avec l'URSS, à la barbe des autres nations, n'ont pas d'autre alternative que de déclarer la guerre à l'Allemagne. Anglais et Français, formant un front commun, choisissent la défensive plutôt que l'attaque, stratégie engendrant la période, de quelques mois, appelée la drôle de guerre, où l'on est dans l'expectative et la perplexité. En mai 1940, les troupes, françaises et anglaises, ont beau avoir le temps de gagner le territoire belge, pour contrer l'irruption soudaine des forces allemandes, l'écrasante puissance militaire de l'ennemi, qui les encercle, les amène à se replier, et à embarquer, depuis Dunkerque, pour la Grande-Bretagne. Les anciens combattants de la Grande Guerre, ayant conduit la France et les Alliés à la victoire, ne pouvaient pas connaître pire camouflet que le retour de l'Allemand, vaincu 22 ans plus tôt, et conduisant à la capitulation de la France. Le 14 juin 1940, en effet, Paris est occupé, le gouvernement a gagné Bordeaux. Une longue colonne d'hommes, encadrée par des militaires allemands, et emmenée vers Colmar, en ce même mois de juin 1940, s'allonge sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les escortes, des attelages, camions, autochargés de biens, d'armes, munitions, et toutes sortes de denrées, pillées, sur l'ordre des autorités allemandes. Parmi les prisonniers se trouve René, fils aîné de Paul et de Marie, qui est emmené en captivité. Les événements importants de la triste période sont connus jusque dans les campagnes reculées, mais avec un certain décalage temporel. C'est ainsi que l'appel à la résistance, lancé aux Français, le 18 juin, par le général de Gaulle, met parfois plusieurs mois pour être connu, dans certaines localités, en dépit des tracts, donnant à lire un résumé du fameux discours, que de lucides et téméraires partisans, collent, quelquefois, à la sauvette, sur les panneaux d'affichage. À partir du jour où Paris subit l'entrée triomphale des Allemands, l'Est républicain se saborde. Dans les locaux de l'ancien journal, les Allemands font paraître un quotidien pro-nazi, pro-hitlérien et antisémite. Du coup, la presse écrite libre n'arrivant plus dans les campagnes reculées, la lecture quotidienne de Paul, qui n'a cessé de s'intéresser à l'actualité locale et internationale, s'interrompt brusquement. Privation, à laquelle s'ajouteront celles imposées par les longues années d'occupation et le rationnement généralisé. Les nouvelles arrivent toutefois, rapportées par les passants, les voisins, les membres de la famille et les commerçants ambulants. La mythique radio suisse, émise depuis Sautens, village du canton de Vaud, donne, par la très écoutée chronique hebdomadaire de René Payot, des nouvelles de France, qui ne sont pas faussées, ou passées sous silence, par la propagande nazie. On écoutera bientôt, en catimini, dans la famille Georges, Radio Londres, sans bien savoir, pendant de nombreux mois, s'il vaut mieux se rallier au programme du général de Gaulle, ou à celui du général Giraud, son rival. Le choix ne se posera plus, quand le premier aura évincé le second. Les années d'occupation créent, en France, un état d'esprit particulier, la liberté surveillée, d'une part, exacerbant la révolte du peuple, et le projet de vie allemand, sournois autant qu'insupportable, provoquant, d'autre part, une inquiétude intellectuelle grandissante,
dans toutes les catégories de la population. Il y a bien, dans certaines agglomérations des Vosges, à Épinal, voire près de la chapelle de Vambrulière, et notamment à Corcieux, des gens ouvertement collaborateurs, et fiers de l'être. Il a beau se trouver quelques dénonciateurs hypocrites, l'immense majorité des gens, qui vivent dans les vallées, de la Vologne et de la Moselle, sont des patriotes convaincus, et qui détestent toute oppression. À tous les niveaux de la société, sous des apparences dociles, des milliers d'hommes et de femmes, travaillent à saper l'énergie de l'occupant, par des actions, dans l'ombre, dont ils ne soupçonnent pas le nombre, grandissant. On apprend régulièrement, ce dont on se réjouit, que des attentats, des exécutions, des sabotages, ne cessent de viser les troupes d'occupation. Et que celles-ci, aidées par la milice française, dévouée à Pétain, et donc aux Allemands, mènent, avec leur Feldpolizei, secrète, l'Abwehr, de contre-espionnage, ainsi que la Gestapo, à l'encontre des maquisards identifiés, des arrestations en série, des fusillades meurtrières, visant aussi les populations civiles, considérées coupables de trahison, en ne dénonçant pas la présence, parmi elles, de chefs de la résistance. De tels faits se produisent à Saint-Dié, à Épinal, et bien ailleurs. Les Allemands viennent à instaurer un régime de terreur, de plus en plus impitoyable, à partir de 1943. L'abbé Poirot, qui réside au presbytère de Saint-Jacques de Stains, est un homme d'une opiniâtreté, ne pouvant que susciter l'admiration. Il reçoit des évadés, des réfractaires, des parachutistes, des aviateurs rescapés, par exemple. C'est de ce même presbytère que le futur chef du 4e groupement, le commandant Lucien Gonnand, sous le pseudonyme de Michel, entre autres, commence l'organisation apolitique, et farouchement anti-nazi, des différents maquis du secteur. Celui de Corcieux, avec le percepteur Thomas, l'huissier Brisson et l'instituteur Vichard, qui en aura le commandement. Ceux de Gérardmer, de La Bresse et de Bussan. Lucien Gonnand étend son organisation, en quelques mois, jusqu'en Haute-Saône. Une vaste toile, libératrice, se tisse patiemment, partout en France, avec une inflexible volonté, guidée par la liberté. Dès la constitution du groupement de résistants, les fils les plus âgés, de Paul et de Marie, sauf René toujours en captivité outre-Rhin, sont discrètement appelés à appartenir au maquis, ce qu'ils font, avec l'assentiment de leurs parents, Paul étant même fier que le rôle de patriarche, lui ayant été dévolu par l'existence, ait pu faire transmettre à ses enfants l'idéal consistant à préférer les dangers de la rébellion à la sécurité de l'abandon aux volontés déshumanisantes de l'oppresseur. Connaissant parfaitement la région, habitués qu'ils sont, en hommes de la terre et des bois, à circuler de jour comme de nuit, Léon et Gilbert procurent, et procureront longtemps d'inappréciables services, notamment pour le renseignement, comme le dira publiquement, plus tard, leur chef Marcel Vichard, longtemps après la guerre, dans le panégyrique prononcé lors des obsèques de Léon, mort le 26 novembre 1987, à l'âge de 67 ans. En ce début du mois de juin 1944, les jeunes résistants se préparent à des actions qui restent encore indéfinies pour eux-mêmes, car elles sont sous le secret militaire. C'est à Londres qu'est décidé et organisé, dès 1943, par l'état-major des forces françaises de l'intérieur, un soulèvement général de la résistance, qui doit faire diversion et focaliser l'attention de l'occupant, en immobilisant une partie de son armée, le jour même du débarquement sur les côtes normandes. Alors que le soulèvement devait être généralisé, un seul secteur des Vosges va être lancé à l'assaut de l'occupant le 6 juin 1944, celui du maquis de Corcieux, sous le commandement du capitaine Marcel Vichard, qui en a la responsabilité, lui-même obéissant aux ordres du général König,
commandant en chef des forces françaises de l'intérieur. On imagine mal, en nos jours, où ne pèse pas sur nous le poids terrible d'une occupation militaire, le courage et l'abnégation, qui animeront les maquisards de tout âge, mais surtout jeunes, pour se soulever contre un ennemi plus fort qu'eux, dès que les ordres en auront été donnés. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Croix ses roseaux, bruit ses feuillages. Puis, je porterai l'églantine. Aussitôt, très grave, sans un mot, il quitte les fermes, les ateliers, les maisons, les hameaux et les rues, sous une pluie forte. Le débarquement, tant redouté des Allemands et tant espéré des Français, a enfin lieu, en cette nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est une opération gigantesque, avec des millions de tonnes de matériel, des millions d'hommes, 11 000 avions, 6 000 navires. Le déluge de feu, qui va s'abattre, sur les batteries allemandes bétonnées, constituant le mur de l'Atlantique, va permettre à 18 000 hommes, de se ruer sur 5 plages, les uns rencontrant une faible résistance, les autres tombant sous les tirs allemands. Bayeux, sera la première ville française libérée, le 6 juin 1944. S'en suivra une avancée, tout à la fois invincible, interminable et meurtrière, qui aboutira à la libération de la France. À Corcieux se déclenche, en ce petit matin froid et pluvieux du 6 juin, le plan d'insurrection, élaboré de longue date. Branle-bas de combat. Les équipes de maquisards gagnent les planques, où se trouvent les armes parachutées. Certaines équipes ont pour mission de bloquer les voies de communication, et notamment la voie ferrée, au tunnel de Vanémont. Une autre équipe doit mettre en état d'arrestation les Allemands, postés au radar de Sarifin. Une troisième, sous le commandement du chef du maquis, chargée de capturer le maximum de prisonniers, pour en faire des otages, et de décrocher aussitôt, prend la route en vue d'attaquer la garnison allemande de Tintru, constituée de 300 militaires environ. Le docteur Poirot et l'abbé Depardieu, de Corcieux, sont prêts à assurer leur rôle auprès des blessés ou des morts. Un peu partout, dans le secteur, les routes sont coupées. Des hommes de bonne volonté, armés, y compris tous les gendarmes de la brigade de Corcieux, ayant deviné l'importance de l'action qui se prépare, se rassemblent, dès la première heure, pour soutenir les maquisards ou convoyer les agents de liaison. Si de nombreux Allemands sont prisonniers, tout ne se passe pas, hélas. Comme prévu, pour différentes raisons, qui ne sont pas de notre propos, car elles appartiennent à l'histoire militaire, et en particulier à celle due au commandement de Londres. Dans la matinée du 6 juin, peu à peu au courant des événements, qui s'accélèrent lugubrement, Paul, Marie, et leurs enfants René, Paulette, Claire, Edmond et Cécile, sont rassurés, en ce qui concerne Léon et Gilbert, qui sont revenus à la ferme, sains et saufs, et envisagent déjà de continuer l'action partisane, la répression qui se mettra inexorablement en action, et qui s'amplifiera de jour en jour, risquant toutefois de les obliger, tôt ou tard, à prendre le large, pour un certain temps. Le même jour, l'abbé Poirot demande à deux jeunes maquisards de conduire, pour qu'ils rejoignent les autres prisonniers dans la maison où ils sont enfermés sous bonne garde, les quatre Allemands capturés sur le poste de repérage de Sarifin, aux Errantés, et imprudemment emmenés chez lui, à l'aube, par les vainqueurs de l'opération. Les représailles redoutées s'exercent déjà, par des fusillades sans sommation, des arrestations, des interrogatoires associés à la torture, et vont prendre de l'ampleur, avec l'arrivée dans le secteur, de milliers d'Allemands, qui vont établir un régime de terreur absolu, engendrant une telle psychose, que des dénonciations vont inévitablement se produire. Le général von Kirchbach,
commandant la Feldkommandatur d'Épinal, s'installe à l'hôtel du commerce, pour diriger et organiser la répression. Les Allemands, et en particulier la Gestapo, multiplient les enquêtes, les expéditions punitives, arrêtent des otages qui sont emmenés à la prison d'Épinal avant d'être déportés, fusillent même des enfants, sous les yeux de leurs parents. En ces longs jours de juin 1944, froids et pluvieux, après un mois de mai plutôt chaud, Paul et les gens de son entourage familial et social, tout en vaquant à leurs activités professionnelles et domestiques, ont plusieurs sujets de tristesse et d'angoisse. D'une part, ce temps maussade, qui va retarder les foins et les récoltes. D'autre part, le soulèvement, les représailles, de plus en plus meurtrières, dont le récit se transmet à chaque rencontre avec quelqu'un. On s'interroge aussi sur des coups de feu, entendus depuis la ferme, le soir du 6 juin. Dans sa narration, non datée, mais nettement postérieure aux événements, l'abbé Poirot écrit, concernant les jeunes maquisards, auxquels il a confié les Allemands prisonniers. Dans le fol enthousiasme de cette journée, où l'on considérait déjà les Boches complètement vaincus, on avait parlé de l'organisation de la résistance, on avait nommé tous les chefs, on avait révélé tous les détails, sans penser que l'un des prisonniers comprenait parfaitement le français. De plus, ces quatre hommes connaissaient désormais ceux qui les avaient arrêtés et ceux qui les conduisaient maintenant. Les relâchés étaient imprudents en cas de représailles. Quelques-uns étaient d'avis de les supprimer, et c'est cette solution qui a prévalu. L'historien Robert Dodin donne un autre enchaînement des faits. Dès le 6 juin, à Corcie même, 6 terroristes capturés sont exécutés au centre du bourg. En représailles, les maquisards fusilleront, sur le territoire de la chapelle, les 4 Allemands, gardiens du poste de guet des Errantés, fait prisonnier la veille. D'autres versions, de transmission orale, présentent des variantes, dans l'énoncé des faits, ou leur chronologie, avec la volonté rétrospective de désigner nominativement des délateurs, victimes de l'effroi, engendré par la riposte aveugle de l'occupant. Toujours est-il, que, si nous suivons le récit de l'abbé Poirot, ce n'est que 2 jours après, le 8 juin, qu'une femme recherchant son mari et son fils partis au maquis, découvrit les cadavres. Apprenant cela, écrit l'abbé, je suis parti en reconnaissance, c'était bien mes hommes, et il était urgent de les faire disparaître. Je recommandais à 2 de mes paroissiens de les enterrer. Paul Georges est l'un de ses paroissiens, comme le désigne l'abbé, et l'autre paroissien est Edmond Cuny. Les 2 hommes sont amis depuis toujours. Leurs fils respectifs, Edmond Georges et Michel Cuny, songeurs, perplexes, et ne s'étant pas attendus à partager une mission de fossoyeur, les accompagneront, pour les aider dans leur funèbre tâche. Sans doute le prêtre, sachant que les fils maquisards des 2 hommes peuvent être inquiétés, ainsi que toute la collectivité, n'a-t-il pas besoin d'argumenter longuement, pour les persuader de venir en hâte, avec un tombereau, recueillir les cadavres abandonnés aux bêtes sauvages, et aller les inhumer ensuite, avec toute la décence possible. Les 2 paroissiens, pour reprendre le terme de l'abbé Poirot, emportent les Allemands au lieu dit Bellefin, dont l'orthographe varie sur les anciennes cartes, le toponyme fin, signifiant préhumide. Paul, retrouvant là, une misérable tâche, combien de fois accomplie, tant sur le front d'Alsace, que sur celui d'Orient, connaît ici, ce qu'on appelle une mine abandonnée. Dans le secteur vosgien où il réside, une mine étant une sorte d'aqueduc, creusée par l'homme, dans la roche friable, en ces lieux, afin de réunir plusieurs filets d'eau, en vue d'obtenir un débit assez fort et alimenter une fontaine servant aux habitants d'une ferme, ainsi qu'au bétail. En l'occurrence, il n'y a plus là, nulle maison, sauf les traces d'une ruine, sous forme de pierre, formant un grand rectangle, compartimenté et couvert de mousse.
Une large fosse étant creusée, au bout de quelques heures de travail, on prend soin de mettre de la paille sur le sol avant de déposer les ennemis sacrifiés et les recouvrir de terre. Puis l'on dispose de la mousse, d'autres végétaux et des fagots pour que rien n'attire l'attention. La lugubre tâche terminée, chacun retourne chez soi, non sans une appréhension difficile à chasser. Nous sommes le jeudi 8 juin 1944. C'est la Saint-Médard. Le dicton veut que s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. Edmond écoute des chansons, à la radio, pour se changer les idées. Cécile, ce jeudi matin sans école, est au catéchisme. Marie n'ose poser, de sa voix retenue, les questions qui la tourmentent. Quelqu'un d'autre ne pouvait-il pas s'occuper de cela? N'allons-nous pas tous être en danger? Quant à René, revenu de captivité depuis peu, marqué par les longues années en Allemagne, solitaire, un peu distant, pudique, et en même temps, tellement heureux d'avoir retrouvé sa famille et les lieux de son enfance, il passe son temps, sous la pluie, à piocher, désherber, entretenir les murets des clôtures, et quand les précipitations sont trop violentes, il scie et fend le bois, pour le prochain hiver, sous le grand appentis, au bout de la maison. Comme beaucoup de prisonniers nouvellement délivrés, il lui faut une période de réadaptation, pour se retrouver, et réintégrer sa place, dans la vie familiale et sociale. Le samedi 10 juin, l'abbé Poirot, qui gagne l'église, voit des véhicules ennemis, arrivé en trombe, sur la route en pente, qui descend vers Saint-Jacques-de-Stat. De la lucarne du clocher, il constate, à travers les ébassons, que son presbytère est sauvagement investi, fouillé, pillé, et que ses meubles, ses livres, ses papiers, ses vêtements sont livrés au feu. En hâte, il va se dissimuler, à proximité de l'église, dans les hautes herbes d'un champ. Il entend des Allemands marcher et parler dans la nef. Quand tout danger est écarté, il gagne, par des chemins détournés, la gare, où il a des appuis chez les cheminots résistants, qui lui procurent de quoi passer pour l'un des leurs. Il va bientôt devenir méconnaissable, pour ne pas risquer une arrestation, forcément voulue par l'ennemi. Sa lutte contre l'occupant se poursuivra dans le sabotage, jusqu'à la libération. Ensuite, il reprendra sa vie sacerdotale. À la chapelle de Vambruyère et dans les environs, la disparition de l'abbé, dont la rumeur se répand vite, plonge la population du village, des hameaux et des fermes, dans la stupéfaction. Ce n'est qu'après la guerre, que l'on connaîtra comment, par une décision de sauvegarde, il a échappé à l'inquisition nazie, en fuyant son ministère, à l'âge de 72 ans. Paul se refuse à partager la vie de certains, dans la psychose collective qui s'empare du secteur, selon lesquels l'abbé aurait bénéficié de l'indulgence de l'ennemi, par de traîtresses confidences. Le dimanche 11 juin, des dizaines d'hommes et de femmes, arrêtés à Corcieux, sont interrogés, quelquefois confrontés au récit du dénonciateur. Le lundi 12 juin, tous les hommes de la chapelle de Vambruyère sont en arrestation. Une fillette de 8 ans est tuée sans pitié sur le chemin de son école, pour frapper et intimider la population. En plein air, sur les ordres de l'Oberstleutnant Müller, 150 hommes doivent s'aligner sur deux rangs. Deux délateurs, apparemment très mal à l'aise, désignent parmi eux 17 hommes, qui vont être passés à tabac, dans une ferme proche. 23 autres hommes sont ensuite arrêtés. Des véhicules emmènent à Corcieux certaines personnes, pour des interrogatoires encore plus approfondis. Ce même lundi 12 juin 1944, Paul est en train, sur sa petite forge domestique, de renforcer en fer un soc de charrue, usé, quand il entend s'approcher un camion, qui ne peut être qu'un véhicule allemand. Der Völkerstreit oder Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten.
Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends eine Bote haben. Rire Cambrie au loin, enfin la délivrance. Mourir quand le soleil revient chasser l'horreur. Mourir quand tout s'apprête à rallumer la France. Mourir quand l'horizon emporte la terreur. On te frappe, on se joue de toi comme un enfant. On t'insulte, on t'emmène au lieu que tu indiques. Tu as déjà compris que ce jour défaillant a pris pour toi visage à jamais fatidique. Mourir Cambrie au loin, enfin la délivrance. Mourir quand le soleil revient chasser l'horreur. Mourir quand tout s'apprête à rallumer la France. Mourir quand l'horizon emporte la terreur. Les cris des ennemis remplissent la montagne, pendant qu'avec tes mains tu déterres les morts. Tu as bien dépensé pour ta pauvre compagne. Pourquoi connaissais-tu ce sombre corridor? Mourir Cambrie au loin, enfin la délivrance. Mourir quand le soleil revient chasser l'horreur. Mourir quand tout s'apprête à rallumer la France. Mourir quand l'horizon emporte la terreur. Lorsqu'enfin sur le sol, paillé ou quatre casques que tu as respectés ont les reflets du jour, la haine exaspérée se transforme en bourrasque. Tu sais qu'il est trop tard pour obtenir secours. Mourir Cambrie au loin, enfin la délivrance. Mourir quand le soleil revient chasser l'horreur. Quand tout s'apprête à rallumer la France. Mourir quand l'horizon emporte la terreur. Ils se sont approchés afin de déchirer chemise et pantalon qui habillaient ton corps. Tu es poussé, viré, égaré, chaviré. L'épouvante a rempli ta vie jusqu'au rebord. Mourir Cambrie au loin, enfin la délivrance. Mourir quand le soleil revient chasser l'horreur. Mourir quand tout s'apprête à rallumer la France. Mourir quand l'horizon emporte la terreur. Voici qu'à coup de bêche, un soudard assassin commence à labourer ta chair sans retenue. Tu hurles ta douleur en regardant les nues. Tout tombe silencieux, un grisâtre crachin. Mourir Cambrie au loin, enfin la délivrance. Mourir quand le soleil revient chasser l'horreur. Mourir quand tout s'apprête à rallumer la France. Mourir quand l'horizon emporte la terreur. L'adolescent victime avec toi des barbares s'enfuit soudain tentant désespérer sa chance. Un coup de feu violent jette au sol le fuyard. Une autre balle impie te prive de conscience. Mourir Cambrie au loin, enfin la délivrance. Mourir quand le soleil revient chasser l'horreur. Mourir quand tout s'apprête
à rallumer la France. Mourir quand l'horizon emporte la terreur. Leur vengeance étant encore inassouvie, les Allemands gagnent la ferme de la famille, chargent les meubles, le matériel, et tout ce qui peut avoir un peu de valeur, sur un camion, puis ils incendient le camp de ferme, et les dépendances, au lance-flammes, non sans en avoir fait sortir les vaches et les chevaux, qui seront emmenés par un groupe à pied. La volaille, et les autres animaux, tentant d'échapper à la fournaise, sont tués par balles, ou sauvagement brûlés, d'un jet de flammes. Les chariots, les brouettes, le linge et les vêtements, les souvenirs, les papiers, les lettres, les photos, rien qui ne devienne cendre. Il ne restera, de cette ferme, qu'une masure, qu'un plan sur le cadastre, puis qu'un vague souvenir. Les occupants s'avisent ensuite de retrouver les fils de l'homme, qu'ils viennent de mettre à mort. Gimbert et Léon, dissimulés dans le foin d'une grange, entendent les ennemis arriver et sonder le fourrage, à coups de fourche. Après un temps, qui leur paraît être une éternité, ils constatent avec soulagement que les véhicules s'éloignent. Leur mère et leur sœur s'en sauvent. Elles sont effondrées. René, emmené à Corcieux, sera relâché par l'oppresseur, après un interrogatoire sévère. Edmond, âgé de 17 ans, est transporté à la prison d'Épinal. Il est ensuite transféré, après plusieurs étapes, au camp de l'Amende en Bournoyenne-Gameu, un camp d'extermination où sur 106 000 déportés, seuls 51 000 survécurent. Le peu de précision, concernant le sort inhumain, du jeune Edmond, laisse supposer qu'il y est décédé le 22 octobre 1944, à l'âge de 17 ans, soit 4 mois après son arrestation. Ont été aussi emmenés en déportation Edmond Cuny et son fils Michel, 16 ans, ayant enterré, avec Paul et son fils, les quatre Allemands tués par les maquisards. La tombe d'Edmond est au Struthof. Michel, revenu de captivité, a gardé des séquelles pulmonaires de son séjour dans les camps de la mort. Combien d'autres jeunes de la contrée seront sauvagement exterminés après avoir connu les pires atrocités. Quelques-uns d'entre eux, déportés, et qui ont eu la chance de survivre à la faim, à l'humiliation, à la maladie, aux expériences médicales, et aux sévices monstrueux des nazis, ont eu le courage de rédiger les cruelles étapes de la vie concentrationnaire, dans des récits bouleversants, où ils transcendent l'horreur. C'est le cas, notamment, de Yvan Hommel, déporté à l'âge de 20 ans, et de Marcel Thomas, âgé alors de 24 ans. Le couple formé par Paul et Marie, après 27 ans de mariage, est pour toujours anéanti. Paul ne sera jamais, pour aucun enfant, le grand-père ou l'arrière-grand-père qu'il aurait pu devenir. Marie, et ses filles Paulette, 25 ans, Claire, 22 ans et Cécile, 12 ans, seront recueillies dans la famille, avant d'être relogées, en deux lieux successifs, dans l'un de ces baraquements, comme il y en a tant eu pour les sinistrés, où il n'y avait souvent ni eau, ni électricité. Ces événements et leurs conséquences dramatiques créent des dissensions, ébranlant durablement la cohésion sociale et familiale, dans le secteur des Vosges, qui fut leur cadre.
dissensions qui vont perdurer, au milieu des tracasseries et des souffrances, causées par l'occupant, jusqu'à la libération, définitive, du territoire français, et qui auront, pour lugubre.org, des destructions aussi spectaculaires que désastreuses, dans une large section du département, au moment où les nazis, forcés à la retraite, choisiront la politique de la terre brûlée. La conclusion qui termine le récit de l'abbé Poirot laisse apercevoir le point de vue souriant que le recul procure à la sagesse, point de vue qui prévaut encore aujourd'hui. Quant aux événements de Corcieux et Intrus, je n'ai pas à les apprécier. L'ordre a été donné par les autorités supérieures. Le soldat n'a pas à discuter, mais à obéir. Le résultat immédiat, représailles, oui. Mais encore, les Allemands ont perdu des vies d'hommes, plus que nous. Résultat général, les Allemands, jusque-là, savaient vaguement qu'un peu partout la résistance s'organisait, mais ne la redoutaient pas trop. L'affaire de Corcieux les a fait changer d'avis. 10 000 hommes ont été immobilisés rien que dans le département et partout ailleurs, au lieu de prélever des troupes pour les envoyer en Normandie, ils ont dû renforcer les effectifs d'occupation et faire venir du front russe 11 divisions. Ces divisions, après les 48 heures qu'elles ont mis pour venir de l'Est jusqu'à notre frontière, ont dû se promener en France pendant des jours pour arriver à destination. Grâce à l'admirable action des cheminots qui les ont dirigés de Nancy sur Dijon, ensuite Reims, etc., jours de promenade, qui ont permis aux Alliés de s'établir solidement sur le terrain conquis. Les Alliés eux-mêmes n'avaient pas confiance en cette armée clandestine et n'envoyaient que très parcimonieusement armes et explosifs. À partir de l'affaire de Corcieux, nous avons eu tout ce que nous avons voulu. Ceux qui ont écouté la radio, ces jours-là, peuvent se souvenir de l'effet d'enthousiasme que l'affaire de Corcieux produit en Angleterre. Écoutons, maintenant, le général de Gaulle, dans un extrait de son fameux discours d'Épinal, le 29 septembre 1946, où, avant d'évoquer les éléments fondateurs pour la stabilité de la Ve République, qu'il appelle de ses voeux, il rend hommage aux Vosges et à ses habitants. Nulle région n'a supporté une proportion supérieure de déportés, plus de 10 000, de patriotes fusillés par l'ennemi, plus de 3 000, de pauvres gens chassés de chez eux, plus de 80 000. Dans les multiples combats qui ont été livrés par nos forces de l'intérieur sur les arrières de l'ennemi, point de fait d'armes qui ait été plus magnifique et plus utile que ceux qui se déroulèrent ici, tels que par exemple l'attaque de Corcieux et de Tintrus le 6 juin 1944. En 1987, dans le panégyrique prononcé publiquement, en hommage à Léon, deuxième fils de Paul et Marie, le colonel Roger Vichard dit : « Je n'ai pas oublié la participation, active, de toute la famille, père, mère, sœurs, cousins et cousines, à la résistance du secteur de Corcieux, que j'avais alors la charge et l'honneur de commander. Mon cher Léon, quel terrible moment a passé ton père ? Martyrisé sauvagement, avant d'être achevé par l'ennemi déchaîné, ivre de rage. Gloire à lui aujourd'hui. C'est grâce à de tels sacrifices que, nous tous, anciens et jeunes, vivons libres, dans notre pays, aimés. Gloire à lui aujourd'hui, s'exclamait le colonel Vichard. Pourtant, quand on considère le matricule de Paul Georges, accessible à quiconque, sur plusieurs sites d'archives, force est de constater, au lieu de la gloire, une anomalie, voire une énormité, qui interpelle. Comment ce soldat peut-il être resté deuxième classe en 1918, alors qu'au début du XXe siècle, la règle était qu'au bout d'un an de service militaire,
tout appelé passait au grade de première classe. Et même s'il avait occupé, ce qu'il ne nous a pas été donné de savoir, le rôle le plus modeste, celui de servant, dans sa compagnie de mitrailleuses, aurait-il démérité, pour être resté, officiellement, sur ce document du moins, deuxième classe, jusqu'à son retour à la vie civile. Et comment ensuite, en 1944, s'étant mortellement exposé à la vindicte ennemie, dans l'intérêt de la collectivité, n'a-t-il pas été officiellement récompensé, à titre posthume, par l'obtention de la Légion d'honneur ?